Gentlemen, start your amis ovaliens, amis ovaliennes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'Oval de Thompson dans le Connecticut et on se retrouve pour la sixième manche du championnat 72 Painting FM Rookies Series comme vous en avez pris l'habitude et pour vous accueillir je suis toujours bien accompagné de mon cher compère, salut David. Salut Hervé, bonsoir à tous. Bon, j'espère que tu vas bien, tu t'es mis au chaud, t'as pris tout ce qu'il fallait. Oh ouais, le poêle à bois chauffe plein régime, histoire de bien réchauffer la maison. Ouais ouais, non, c'est tout bien. Bon, nickel, nickel. Bon, parce que les éliminations, les amis, je crois que c'est ce soir qu'on va les avoir ici à Thompson. Effectivement, parce que, eh ben, on est sur un short track, donc voilà, tout petit circuit, pas très long. On a à peu près une vingtaine de pilotes, normalement, qui sont inscrits, mais je sais pas si tout le monde sera là. Il y a eu une mise à jour IFRN qui a déjà posé des problèmes dans la semaine à certains participants qui n'ont pas pu se connecter. J'espère que ce soir on n'aura pas trop la même chose. J'ai déjà des petits bruits de couloir effectivement que certaines personnes avaient du mal à se connecter, comme par exemple Philippe Devalet. Donc je ne sais pas si les problèmes sont résolus. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, David. Oui, oui, il y a des petits soucis avec un hotfix de la mise à jour de mardi qui est apparu cet après-midi. Il y a des mises à jour à faire. Des fois, a priori, certains pilotes ont des soucis, donc ça risque de bloquer un peu l'accès. Pour l'instant, on est encore à 22 minutes de la qualification. Il n'y a que 14 personnes, 14 pilotes dans le channel. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de monde quand même, puisque comme tu disais, 19 inscrits. Ouais, tout à fait. Et en plus, alors j'ai cru comprendre que la mise à jour était souvent liée aux gens qui passaient par Steam apparemment, c'est surtout avec eux que ça posait problème. Bon, en espérant voilà, qu'ils puissent résoudre leurs problèmes et qu'ils puissent bien être présents à cette sixième manche qu'on va tout de suite un petit peu présenter au niveau un petit peu du circuit. David, et ben, comme on a pris l'habitude, je te laisse faire les présentations avec Monsieur Thompson de l'Oval. Eh ben écoute, Thompson Speedway Motorsports Park, pour son petit nom, comme tu dis, un circuit de Thompson dans le Connecticut. Un circuit d'un petit kilomètre, 5 huitièmes de mile, donc on est sur un short track, assez rapide parce que c'est un circuit avec beaucoup de banking, on est à 26 degrés dans les virages. C'est un circuit qui est très très exigeant, tant dans le freinage à l'entrée qu'à la réaccélération. Probablement des pilotes qui vont survirer à la sortie du virage, on peut s'y attendre. Voilà, on va avoir du beau spectacle sur un short track qui en général réserve toujours des courses assez spectaculaires, parfois un peu hachées, mais on verra ce que ça donne. 26, ça me paraît énorme. Et oui, 26 degrés. C'est fou parce que comme ça, le voir, on s'en rend pas compte. Si tu regardes un peu avec une vue un peu rasante, on voit très très bien le banking dans les virages. Donc c'est assez impressionnant et ça fait des virages extrêmement rapides. Bon. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont présents sur ce live. Je vois que vous êtes déjà connectés. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus pour ceux aussi qui nous verront en replay, bien entendu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces, etc., à faire les follow qui vont bien. Ça permet de donner de la visibilité, effectivement, à cette série d'entrée, on le rappelle, de cette ligue FRN. Qui est gratuite hein, au niveau un petit peu de ce championnat rookie. En termes de météo, donc on a un petit peu, c'est des températures d'époque hein, pour, je dirais, les US, hein, 24 dans l'air, 25 sur la piste. Un petit peu de vent, et comme d'habitude, je suppose, David, hein, les mouettes, toujours pareil.
Ou bah alors là, le vent sur un short track, je peux te dire que les mouettes, elles vont aller plus vite que les voitures. Bon, Non, il ok. n'y a aucune incidence là. Bon, Aucune allez, incidence sur pour moi. un petit peu illustrer ce que tu disais au niveau un petit peu de short track, pareil, j'ai encore mis ma carcasse dans cette fameuse arca. Et puis, ben, je te laisse présenter ça. On va lancer la présentation du tour et des tours de ce Thompson. Donc déjà une sortie de pit qui est un peu particulière, qui est très très courte. Il va falloir faire attention. On reviendra peut-être sur ce point des pits juste après. Donc là, les pits sortent en plein backstretch. Donc après les virages 1 et 2 et 3 et 4 se ressemblent, hein, ce sont les mêmes. Là, on est sur le banking. Il faut faire très attention sur la partie un peu plus foncée à l'intérieur là du virage qui peut être un peu survireuse. Là, ça demande un bon coup de freinage quand on rentre dans le virage. Ça demande de laisser accompagner un petit peu au frein, venir un peu sur la prone comme ça permet d'accélérer, mais par contre d'accélérer un peu plus fort. Par contre, on peut vite partir en survirage, donc il faut faire très très attention. Donc là, cette bande foncée dont je parlais, voilà, il faut faire attention, elle a un petit peu moins de grip qu'un peu plus haut dans le virage. Mais par contre, si vous avez la maîtrisée, c'est vraiment un gage de réussite et de bon temps pour vos tours. Effectivement, les sorties T2, T4 qui sont vraiment très 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 délicates. On verra, je crois, sur les tours que j'ai fait sur une sortie T2, c'était un petit peu limite de mon côté aussi. Ouais, ça c'est une sortie de virage qui est particulière. Après, Thompson n'est pas forcément plus difficile que d'autres short track, mais c'est un peu cette configuration avec un apron très très plat, presque à 2 degrés à peu près. Et puis le virage à 26, si on mord un peu sur l'apron en pleine accélération, c'est très très délicat, il faut faire très attention. On verra probablement des pilotes se faire piéger, mais par contre ça réserve souvent de très très belles Je crois courses. qu'on va le voir là sur la sortie du T2. Moi, c'était parti un petit peu. Hop, voilà. Et hop, Et voilà. voilà. Mais beau save. Voilà. Et puis, ouais. Ah, du métier. Du métier. Ah bah oui, Ah, normal. voilà. Une entrée des stands un petit peu particulière aussi qui est très, très, très courte. Alors, c'est vrai que ben, je dirais qu'il y a peut-être peu de chances qu'on rentre sous drapeau vert quand même. Alors, effectivement, la course fait 150 tours. L'autonomie, je ne sais pas exactement de combien elle est, mais à mon avis, elle doit passer, quasiment la course doit passer avec un seul plein. Donc on va plutôt remplacer les pneus, je pense, plus que vraiment faire des pleins d'essence. Comme on disait, c'est un short track. C'est un pit qui est une pit lane qui est courte. Donc il va falloir faire très attention parce que même en cas de pit sous jaune, on peut se faire vite prendre un tour. Donc les leaders qui rentrent peuvent changer les quatre pneus. Les pilotes qui sont en fin de grille, on va dire à peu près au-delà de la, je pense, 12-14e place, des fois il vaut mieux changer deux pneus seulement parce que vous pouvez sinon perdre un tour. Bon, voilà les amis, un petit peu pour la présentation de cet ovale de Thompson. Effectivement, comme le disait David, on va parcourir 150 tours. J'ai pas non plus, moi, un petit peu l'info en termes de fuel de ce que ça va donner, mais bon, on sait que sur cette série, ben, les pneus c'est open bar, on peut changer quand on veut de toute manière, donc forcément on aura des pits parce que on imagine bien effectivement qu'il y aura des yellows. J'espère qu'on en aura un petit peu moins que la dernière fois qu'on a retransmis, mais c'est vrai qu'en partant avec 19 pilotes, ça risque d'être compliqué. Alors, sachant que pour l'instant, on est, je crois, simplement 15 pilotes de connectés, si je ne me trompe pas. Oui, ça a l'air d'être effectivement. On est à 15 pilotes, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, on va en profiter aussi pour replanter, comme d'habitude, un petit peu le décor. Au niveau de ce championnat, ah, on va refaire le point. Donc toujours en tête, Mathis Herbert en première position, suivi de Arnaud Barrios, Jérôme Durand, François Besse, Loïc Tocmé pour le top 5, Damien Clavet, 6e position, Jérôme Poisat, Pascal Paquet, Thierry Despois, Pierre Martin qui clôture sur le top 10 du classement général. On déroule un petit peu. Maxime Mallet en 11e position, Dany Momy, Thomas Boivin, Coralie Gauthier, Mathis Thévenin, Marjorie Raoulis, Marco Rousseau, Florian Puzman, Benjamin Duchesne et Thomas Pierce pour le top 20. Je continue, on va aller jusqu'à la fin. Philippe Devalet, 21e, Eric Ramirez, Damien Pribeski, Yann Buisson, Yann Guring, Zanny Pic, Jérôme Demorat, Thomas Diary, Laurent D'Agostin, Jordan Ledirache, Laurent Delahaye. Et pour terminer, Olivier Saint-Franck, Jimmy Bouvier et Julien Agueda. Donc voilà pour ce qui est du classement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle? Ben,
Que le champion, il est déjà connu, hein, Matisse, il a 33 points d'avance sur Arnaud, mais Arnaud qui ne roule plus, je crois, jusqu'à la fin de la saison. Donc je pense que le championnat, est plié de ce côté-là. Ce qui va devenir peut-être un peu plus intéressant, c'est la bataille pour la deuxième, troisième, enfin pour le top 5, hein, David. Oui, tout à fait. Le gros de la bataille va être au niveau du top 5. Mathis Hébert avec 33 points d'avance. De toute façon, vu le nombre de participants, même s'il finissait dernier, il aurait suffisamment de points pour reprendre le titre. Donc là, effectivement, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Je crois qu'il devrait finir 24e de mémoire pour que ça puisse perdre. Alors, sachant vu le nombre Ouais, d'inscrits, c'est on est ça. tranquille. Donc Et en voilà, plus, c'est une course dans je le pense que. V-Joker. Donc voilà. Donc il y a pas de souci pour le il y a pas de souci pour le titre pour Matisse de toute façon, même si je pense qu'il va chèrement vendre sa victoire et sa place aujourd'hui parce qu'il est bien présent, donc il va forcément Oui, se battre. puis il est à 8 victoires d'affilée. Est-ce qu'il va vouloir aller chercher sa 9e? Ce sera une des interrogations, si j'ose dire. Oui, alors moi, personnellement, je mettrai ma pièce dessus, hein, mais bon, on verra bien quand même, on sait jamais C'est sur enfin Thompson, on si va le pièce de voir, combien que ça tu peut mets? lui venir. Oh, je sais pas, mais en tout cas, mais si je parie quelque chose, ça, je gagnerai pas grand-chose. Je pense qu'il est archi favori sur cette course, donc Oui, il n'y a pas un gros gain à faire non. effectivement là-dessus. Bon, alors je dis pour le top 5, oui, mais on peut même aller plus loin, même jusqu'au top 10, hein, les choses peuvent bouger, parce qu'effectivement, par rapport à ce classement, on a quand même pas mal de gens qui ne sont pas inscrits, donc qui vont perdre des places dans l'idée. Alors je l'ai plus, je vais essayer de me la rafficher pour pas vous dire de bêtises. Puisqu'on a Marjorie donc, qui est inscrite, Thomas Pierce-Huit, Thierry Despois, Pascal Paquet, Philippe Devalet, mais ça sur l'interrogation s'il résout les problèmes. Coralie Gauthier qui est bien là, Laurent D'Agostin, je ne l'ai pas vu encore sur les chronos, Pour l'instant, il n'est pas il n'est pas encore encore inscrit. arrivé. Jérôme Poisat, non Il est plus, là. il est là, s'il est là, il est là. Jérôme Durand, c'est bon. Yannick Göring, je l'ai vu. Mathis Herbert, on est là. Loïc Tromé aussi. Maxime Mallet, Thomas Boivin, Laurent Delahaye, Damien Clavet, Pierre Martin, je sais qu'il est là. Jordan Le Dirache, j'ai un petit doute. Oui, il est là, pas de problème. Et on a un retour aussi d'Olivier Salefranck. Et oui, on a quand même un petit plateau qui est bien mis. Et puis, comme tu disais, il y a non seulement voilà, des petites batailles pour le top 10 qui vont se mettre en place, mais il faut bien penser à quelque chose, c'est qu'on arrive sur la fin de saison. Les montées vers l'Ignite sont en train de se jouer. On ne sait pas combien de pilotes vont monter parmi les Exact. rookies, donc parmi les pilotes qui ont trois chiffres à leur numéro. On ne sait pas exactement combien vont monter, mais si vous êtes dans le top 10, vous augmentez quand même grandement vos chances. Donc les places pour le top 10 vont se payer cher, vont se payer très très cher. Bon, on verra ça déjà un petit peu à la fin de la course. On bascule tout de suite sur le classement des rookies qui est mené par Pierre Martin de la White Cat, suivi de Maxime Mallet de la SBG Climister, Danny Momid dans la même écurie, Thomas Pierce, la Manekin Eco, Damien Pribeski, SBG Climister aussi. C'est vrai qu'ils sont trois. Xavier Pic de la 7 Junior Racing Team, Jérôme Demora, Manekin Eco Racing et Laurent D'Agostin. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de prétendants, mais ça peut être serré, là encore une fois, parce que quasiment, il n'y a que Damien qui n'est pas là, si je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble que tous les autres sont présents, peut-être pas Xavier Pic. Bon, de toute façon, même pour Damien en cinquième position, 28 points de retard, ça paraît très compliqué vu le nombre de pilotes limités qu'il y aura ce soir. Mais par contre, le top 4, tout est jouable pour le top 4, hein, sans problème. Oui, puis le Donc champion rookie, c'est effectivement, pas gagné. non, le championnat rookie est loin d'être joué. Il y aura encore une course derrière. C'est un titre un peu honorifique, mais c'est un titre qui est quand même assez important. Et ça va se battre. Ça va Oui, se battre. et puis je pense que les pilotes ont à cœur aussi de mettre ça sur leur CV, ça peut être sympa, effectivement. Ouais, je pense aussi. Allez, on passe au classement par équipe. Donc en tête, 7 Junior Racing Team, là aussi, sauf catastrophe, je pense que le titre devrait pas leur échapper, normalement, je dis bien normalement. Suivi de la Wildcat, en troisième position, la SPG Motorhead Racing, quatrième position pour la Toonstar, cinquième position pour la Maneki, pardon, Deco Racing, sixième pour la SBG Climster Motorsport, 7e position à la Kakan Racing, 8e Hyper Motors Touring, 9e SBG Team Evo Simu et enfin qui clôture 10e la RV
ABS Motorsport. Donc là aussi, je ne dis pas trop de suspense, peut-être, peut-être pour la première place, mais bah, pour le top 3, le top 4, ça peut jouer encore. Oui, ça peut jouer, d'autant qu'il faut bien penser, hein, pour le classement équipe, ce sont les deux premiers pilotes qui marquent les points. Donc même s'il y a peu de pilotes, il peut y avoir des bons points à marquer. Là, je pense que pour le titre, mathématiquement, c'est pas fait, mais ça devrait quand même pas échapper à la 7 junior, je pense. Par contre, pour la deuxième et troisième place, oui, il y a encore du suspense, ça peut jouer encore. Oui, et puis on le voit au niveau de la 7, effectivement, au niveau du team, hein, 5 victoires sur les 6 courses. Donc on va dire que c'est plutôt une écurie qui domine ce championnat par équipe. On en profite pour saluer aussi notre sponsor, la 72 Painting de Johan. Donc on lui fait un petit coucou. Merci Johan pour les cacahuètes que tu nous as envoyées. Les bûches aussi pour le chauffage chez David. On va en profiter là-dessus. Voilà. Donc allez faire un petit tour, voilà, qui vous propose de réaliser vos peintures. On rappelle aussi que le vainqueur se verra offrir sa peinture pour la série supérieure, c'est-à-dire en Truck Ignite. Donc, a priori, donc pour Maxime Hébert, bien entendu, puisqu'on a dit que c'était plus ou moins plié de ce côté-là, bien entendu. Donc voilà, pour la mise en situation un petit peu au niveau, je dirais, des classements. Allez, bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur le chat. Je salue un petit peu Jordan, Infraclass. Voilà, je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Merci à vous d'être présents pour cette sixième manche de la 72 Painting et FN Rookies Series. Voilà, on est à combien? Allez, à 8 minutes, un petit peu, je dirais, du lancement des qualifications. On va revenir, bien sûr, sur le live. Une première hiérarchie qui s'est établie, on va dire, avec les premiers chronos, effectivement, qui n'est pas avec de grandes surprises, je dirais. Hein. Non, tout à fait. Mathis Hébert avec le meilleur temps, il n'y a rien d'étonnant, avec Jérôme Durand aussi. Thierry Despois, troisième. Il faut savoir que sur le field qui s'alignera aujourd'hui sur la course, Thierry est le seul à avoir remporté une victoire ici. Donc il est peut-être l'un des favoris, évidemment, avec Mathis. Je me suis laissé dire dans certaines indiscrétions que ça lui tenait à cœur de gagner cette course. Oui, mais je pense qu'avec Mathis, ça va pas être si facile que ça. On verra, mais voilà, j'ai quelques indiscrétions, mais voilà, je pense qu'il va tout faire pour arrêter peut-être la série de Mathis et puis mettre au palmarès à nouveau cet ovale, effectivement. Oh bah c'est le moins qu'on puisse lui souhaiter, ça ferait un peu de spectacle et ça relancerait un peu le suspense, ça serait plus que bienvenu de Thierry. Allez, on va en profiter un petit peu pour vous illustrer un petit peu les tours. Voilà, on va passer un petit peu à l'intérieur. Voilà, donc plutôt d'éviter un lot, ça serait mieux. Oui, bah, surtout le mieux. C'est ça. La trajectoire haute, elle peut être utile dans certains cas, surtout dans les cas de dépassement ou de course côte à côte, mais c'est vrai que clairement c'est une trajectoire qui est plus lente, ça offre une meilleure sortie, mais l'intérieur du virage est quand même très très compliqué à voir, donc la trajectoire intérieure est quand même préférentielle, hein. ça sera par là que les principaux dépassements se feront. En tout cas, nos féminines sont bien présentes, elles, ce soir, entre Coralie Gauthier et Marjorie Raouli, qui ont aussi petite possibilité sur le classement, peut-être d'aller chercher au général, peut-être au top 10. Les écarts sont pas énormes, et on l'a dit, même si au classement elles peuvent paraître un petit peu loin comme d'autres pilotes, mais c'est surtout là ce qui se fait se jouer pour elles, c'est la montée en Ignite. Donc surtout en ne sachant pas exactement combien de pilotes à l'heure actuelle vont monter, elles ont un beau à jouer. Si elles font des bons résultats, elles peuvent monter en Ignite, et ça serait sympa de les voir progresser dans le championnat et puis dans la ligue. C'est vrai, effectivement, ça serait hyper intéressant. Voilà, sachant que c'est quoi leur deuxième saison, me semble-t-il. Je crois qu'elles sont toutes les deux, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont toutes les deux à la troisième saison. Troisième. Si je dis pas de bêtises, hein, je ne voudrais pas. Je vais vite aller jeter un œil discrètement sur le championnat. Non, sur le championnat, effectivement. Je voulais pas te piéger, je te rassure. Hein, mais... Eh ben, c'est raté. C'est raté.
là-dessus. Alors, du coup, bah écoutez, bonne nouvelle, on est embarqué avec Philippe Devallée. Il a dû résoudre ses problèmes de connexion. Donc, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça nous fait un pilote de plus, je dirais, qui va pouvoir défendre ses chances, effectivement, au niveau du championnat. On est embarqué un petit peu avec lui. On va suivre un petit peu le pilotage. Vous voyez, ça glisse, hein, ça glisse, ça rentre un peu fort. Oui, on disait, hein, le freinage va être important, c'est pas forcément pour risquer l'accident ou l'accrochage, c'est surtout que si on arrive un petit peu trop fort, on survire, on risque de prendre le mur, ou au contraire, hein, si en fonction de comment on prend le virage avec trop de vitesse, on peut partir en spin à l'intérieur. C'est un circuit où le freinage est important, hein, la réaccélération, un peu comme tous les short track, mais dis donc, ça glisse. Hein. Ah, vas-y, on va revoir ça un petit peu. Ah, c'est une trajectoire qui n'est pas facile, et puis là voilà, on voit l'accélération, probablement une accélération beaucoup trop franche, là qui conduit à un survirage. L'arrière qui part et qui essaye de passer devant l'avant. Un scénario qu'on risque de voir malheureusement peut-être ce soir. Ah, il y a des chances. Je pense qu'on aura très probablement des pilotes en spin ce soir. Ce serait étonnant de ne pas en voir. Ou alors c'est que vraiment ils seront très très bons nos rookies. Bon, écoute, on va leur faire confiance. Bon, allez, un petit point sur l'étendue practice provisoire. Donc, nous avons Mathis qui a signé le meilleur chrono en 20 secondes 789, suivi de Jérôme Durand en 20 secondes 862, Thierry Despois en 20 secondes 878, Jordan Le Dirache 20 secondes 971. Voilà, ça, ce sont les 4 pilotes qui ont réussi à passer en dessous des 21 secondes. Puisque pour tous les autres, on s'échelonne entre 21 secondes jusqu'à 21 secondes 7. Donc nous avions Jérôme Poisat en 6e position, Pierre Martin, Yannick Göring, Thomas Boivin, Thomas Pierce qui est actuellement à l'écran, Loïc Tocmé, Olivier Salfranc, Pascal Paquet, Maxime Mallet, qui vient d'améliorer d'ailleurs, ou c'est peut-être son premier chrono. Il vient de sortir des stands. Coralie Gauthier en 15e, Marjorie Raouli en 16e position, Philippe Devallée qui clôture pour l'instant avec ses 21 secondes 732. Alors c'est vrai, comme il a eu des petits problèmes de connexion, c'est sûr que la séance d'entraînement était un petit peu plus courte. Oui, puis ce qui est rassurant, c'est qu'on voit, alors on voit 17 temps, un 18e pilote s'est connecté, il n'y a pas de souci. Donc on est quasiment au fil de complet, hein. Il manque un pilote, je crois qu'il y avait 19 inscrits. Il y avait 19, oui, parce que moi j'avais 20, mais je crois qu'il y avait un pilote qui s'est inscrit deux fois, de mémoire, d'accord, qui donc était Laurent D'Agostin, je crois, si je ne me trompe pas, et qui d'ailleurs, je suis en train de vérifier. Eh ben, je crois qu'il n'est pas encore il là. Il n'est pas encore connecté, Coluche. Effectivement, et on est à 2 minutes, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Non, là il faudrait qu'il se connecte maintenant. Ouais, sinon, alors je me souviens plus, on peut se connecter après la séance de qualification. On peut se connecter que pendant la partie practice. Par contre, si on arrive à s'enregistrer sur la course, là par contre, une fois qu'on est enregistré, on peut se connecter même après le départ. Il n'y a pas de souci. L'important c'est surtout de s'enregistrer dans la course. En tout cas sur l'hosted, sur le serveur. C'est la limite pour s'enregistrer, c'est le début de la qualif. Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez presque venir rouler que le dernier tour. D'accord. Bon, allez, salut à Fédiver qui nous a rejoint aussi sur le chat. Je vois que ça monte, on a de plus en plus de téléspectateurs. Bon, cher David, c'est bien pour nous. On nous dit qu'il y a à peu près 5 tours du départ. Voilà, c'est l'estimation sur le temps restant, puisqu'il reste à peu près une minute, un peu moins d'une minute 30 maintenant, avant que les hostilités soient déclenchées pour la pole. Et puis là, je pense que les pilotes ont à cœur de se placer au mieux, parce que sur ce type de circuit, je pense qu'il vaut vraiment mieux être devant un début. Ah, la track position, elle est toujours super importante, hein, sur les short track. C'est un circuit qui est assez rapide, qui est assez large pour un short track, donc les possibilités de doubler, elles existent, il n'y a aucun souci. Mais plus vous avez de pilotes à doubler, plus vous avez de risques d'accrochage ou de manger trop vos pneus trop fortement. Donc oui, la track position, comme la plupart des short track, est extrêmement importante. Donc là, typiquement, quand on voit dans les practices 3 pilotes à moins d'un dixième de seconde, je pense qu'ils auront à cœur d'essayer de faire la pole tous les trois, et même les autres, hein, ils vont essayer de donner leur maximum. Ça va être important. Parfait, et eh ben écoute, il nous reste 30 secondes avant que les hostilités soient lancées. On vous rappelle
très rapidement que nous sommes en direct pour la 72 Painting et Fair & Rookie série. Nous sommes sur la sixième manche. Nous allons avoir parcourir 150 tours sur l'ovale de Thompson. Et nous avons bientôt lancé, enfin nous allons, c'est pas nous qui allons le décider, mais les qualifications vont bientôt partir. Donc on va suivre ça et voir un petit peu qui va déclencher les hostilités et voir un petit peu comment ça se comporte. On n'est pas à l'abri non plus de surprises et de petits spins pendant la qualification, hein. Ou non. Non, 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 non. Quand on va donner, quand les pilotes vont tout donner pour faire leur meilleur temps, on peut très bien avoir des petits accidents. Puis là, il faut pas oublier, hein, si on touche le mur, si on perd une perte de contrôle, ça invalide le tour. Donc, il va falloir faire très, très attention. Allez, on va rester avec Terry qui est sorti, voilà, qui est un des prétendants à la pole. On va avec lui voir un petit peu ses deux tours. C'est lui qui devrait frapper les premiers coups. Matisse n'est pas encore sorti. Thomas Pierce Jérôme, est sorti. ouais. Allez, premier tour lancé. Alors, généralement, on fait les chronos sur le premier tour, David, deuxième tour, ou c'est variable? Franchement, ça dépend des aptitudes du pilote. Souvent, le meilleur tour se fait plutôt sur le deuxième parce qu'on a chauffé un peu les pneus, on a un meilleur grip. Mais je connais quelques pilotes qui font souvent leur meilleur temps sur le premier. Je ne sais pas comment ils font. C'est mais souvent mon ça cas, dépend. moi de moi, ça m'arrive. Voilà, moi c'est souvent sur le deuxième que je fais mieux. Donc voilà. Donc Thierry qui signe effectivement à la pole provisoire pour l'instant, 21 secondes, 0,3 suite Pierre Martin, Thomas Boivin. Voilà, ça va s'enchaîner. Est-ce que Matisse n'est toujours pas sorti? Voilà, Pierre qui est-ce qu'il va améliorer? Ou pas? On va voir, il passe sur la ligne. Et il l'a Il a amélioré, mais amélioré, mais pas voilà. meilleur au Je niveau crois qu'il classement. y a Jordan Le Dirache qui est venu s'intercaler. Effectivement. Allez, Thomas Pierce, donc il en a terminé. Allez, est-ce que Matisse ne nous ferait pas les qualifications? Est-ce qu'il y a... Je me suis calé dessus pour le surveiller, mais pour l'instant, il n'est toujours pas sorti. Mais il reste plus que 3 minutes. Bon, les tours sont vite faits ici. Hein. Il peut quasiment se lancer à 1 minute 30 de la fin, mais on va voir. Oh, Loïc qui est parti, qui est mal parti, qui va relancer son tour. On va le suivre. Voilà, une sortie, on a dit tout à l'heure, des stands un petit peu particulières, puisqu'il a même spiné dans cette sortie. Ah bah là, si on prend un tout petit peu large, ou au contraire, si on coupe un tout petit peu et qu'on met une dérou, surtout une dérou propulsive dans l'herbe, là, c'est quasiment le spin assuré. Ah, et Matisse qui démarre. Allez, je vais faire laisser le finir de ce tour sur lui, qu'on ira sur Matisse après pour voir si il va essayer de reprendre cette pole qui est détenue pour l'instant par Jordan Le Dirache qui a fait un beau chrono. Oui, très joli chrono en 20,96. Là, c'est du bon temps. Hein. Après, on voit que ça se tient bien hein, sur les trois premiers en moins d'un dixième de seconde. Il n'y a pas des très très gros écarts qui se sont mis en place. Hein, C'est ouh, là, ça parti, spinne un ouais, peu ça pour spin un peu, Loïc. c'est fini. Oups, Matisse aussi. Là, il Qu'est-ce qui. l'améliorera pas. Hein. Ah, Matisse, qu'est-ce qu'il fait? On fait une relance pour pas. Est-ce que ça va être ça? Matisse, J'ai ouais, qui se relance, qui a dû Coralie se aussi rater. Gauthier qui n'est pas sorti. Donc Matisse qui a stoppé son tour pour se relancer correctement. Le suspense, le suspense. Bon, je vois que ça se chambre un petit peu sur le chat, c'est bien ça. On fait divers et fracas classe. Alors qu'il reste 1 minute 20, Matisse est en train. Oh! Ah, j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai? Oui, moi aussi je l'ai perdu. Ah, est-ce que. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as perdu aussi? Oui, je l'ai perdu aussi. Bon. Je le suivais, je l'ai perdu aussi Est-ce qu'il est donc. déco? Bah, ça n'a pas l'air, j'ai pas Alors, d'avis de j'ai déconnexion de plus sa part. Est-ce personne. Moi, que. j'ai pas de déconnexion a priori de mon côté non plus. J'espère qu'on va pas rencontrer les problèmes comme il y a eu mardi pour l'Ignite, hein, sur la retransmission. Ça a été un petit peu Eh compliqué. ben, j'espère
J'espère pas non plus. Non, non, j'ai toujours Loïc qui est au départ. Non, a priori, c'est vraiment. Il a dû arrêter son tour. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, mais. C'est assez bizarre, assez bizarre. Bon, Bon, en bah tout cas, maintenant, écoutez, 30 secondes, ouais, tout le ça monde devrait se terminer. est à tourner. Il n'y a que Coralie Gauthier qui n'a pas de chrono avec Matisse. Et qui vont donc Ouais, s'élancer du fond. Coralie qui va probablement jouer la sécurité hein, en se lançant du fond du field, Alors de gros faire gros tranquillement gros sa course. ouais gros gros challenge pour Matisse hein, partant de la fin du field là. Oui. Alors, Passer entre les c'est un gouttes. pilote, typiquement hein, qui peut nous faire un last to first. Ça serait pas forcément très étonnant, mais c'est complexe. Sous Thompson, c'est très très complexe. Donc, est-ce que c'était une stratégie? Il s'est quand même lancé deux fois pour faire son tour. Donc, est-ce Ouais. qu'il a rencontré un problème ou autre? On en saura peut-être un peu plus avec des indiscrétions. Bon, bah j'espère qu'il n'a pas eu rencontré de problème matériel. En tout cas, il est toujours connecté au serveur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Eh ben écoute, on va pouvoir récapituler cette grille de départ. Donc pole position pour Jordan Ledirache avec un beau chrono en 20 secondes 900. On est quand même loin des chronos. Je me souviens plus, non, c'est à peu près ça sur les practices, hein, là, à peu près. Donc Oui, on a à peu près dans Thierry ces Despois eaux-là. en deuxième position, troisième position pour Jérôme Durand, Damien Clavet pour la quatrième position, cinquième position pour Maxime Mallet pour le top 5. Ensuite, Pierre Martin, sixième position, Olivier Salfranck, qui a fait une belle qualif aussi, qui se met en septième position, Thomas Boivin, huitième position, Philippe Devalet, une belle neuvième place, et Pascal Paquet pour le top 10. On continue, Loïc Trocmé en onzième position, Yannick Göring, douzième position, Jérôme Poisat en treizième position, Thomas Pierce, quatorzième, Marjorie Raouli, quinzième position, Laurent Dolaï, seizième position, Mathis Herbert, donc sans chrono, dix-septième position, et même chose pour Coralie Gauthier, qui n'a pas de chrono d'affiche. Voilà un petit peu Alors, pour pour cette grille. info, Matisse a eu un petit souci de connexion, il vient de se reconnecter, donc il a peut-être eu des problèmes effectivement de connexion matérielle, je ne sais pas exactement, mais il s'est déconnecté et reconnecté. Il est toujours pas sur la grille, donc j'espère qu'il va pas rater le départ, parce qu'il reste que 30 secondes. Ouais, effectivement. Alors, sachant que les amis, bien entendu, nous sommes sur. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Il chauffe les pneus là, notre ami Jordan? Alors, je ne sais pas s'il chauffe les Ou pneus si c'est un ou bug? s'il nous fait la danse de la victoire, mais. Mais il est motivé en tout cas, il est motivé. C'est quand même étonnant. C'est joli. C'est joli en tout cas. Il va finir par casser sa direction. Voilà, ça me fait un petit peu peur. Donc on rappelle aussi que. Alors moi j'ai un one to green. C'est one to green? Two to green normalement. Normalement, c'est tout au green. Alors Mais ça. comme le Pescar a déjà passé la ligne, en Et fait, oui, il ça te va donne un être one to un. green. Voilà. Et c'est bon, Mathis a pu se connecter, il est sur la grille de départ. Parfait, bonne nouvelle quand même, ça aurait été Pour vraiment lui, ouais. dommage. Alors les amis, je vous cache pas que c'est un peu compliqué sur Thompson au niveau des caméras, donc on va essayer d'avoir un petit peu des plans larges, parce que soit on va avoir des plans très très serrés, on ne verra pas grand-chose, donc on essaiera bah, de prendre un petit peu d'altitude s'il le faut, généralement, puisque on a loué encore, vu les budgets, on a quand même loué les hélicoptères, tout ce qui va bien, hein, normalement. Pour jeter ce petit coup d'œil. Alors pour surveiller l'ensemble de la course, j'ai même loué un satellite. Oh bah écoute, c'est parfait. Les moyens qu'il y a sur cette chaîne, c'est quand même hallucinant. Hein, hallucinant. Allez, les pilotes sont en place. Il reste, allez, un demi-circuit pour cette. J'allais dire relance, non, pour ce départ, puisqu'on va être sous green. Et puis voilà, bah, vous pouvez faire vos prédictions dans le chat aussi sur le nombre de yellow. Alors je parie quand même qu'on en a pas mal, mais on va essayer de suivre ça. Drapeau Allez, vert, c'est drapeau vert. parti! Bon départ de Jordan qui garde la tête. On voit que Jérôme Durand essaie de s'infiltrer à l'intérieur de Terry et il prend la seconde. Ça a l'air de bien se passer. Pour Porte l'instant, ouais. partout. Bon, normalement, à 19 pilotes, il y a de la place, mais bon, les accrochages sont vite arrivés hein, sur ces circuits. La sortie du virage 4 s'est plutôt bien passée a priori pour tout le monde. Et Mathis qui remonte, qui a déjà gagné 3 places. Alors Jordan qui a une trajectoire quand même très très haute. Ouais, accident dans la sortie du T2. Accident, gros accident dans la sortie du T2. Eh ben, on a fait quoi? Deux tours, ben voilà.
C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va essayer d'aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'on a ça dans le replay ou pas? Alors, on va Alors, essayer d'avoir des trucs assez larges. C'est un peu compliqué. j'ai pas fait attention, enfin précisément avec ma vue satellite, j'ai pas pu voir qui était impliqué, mais c'était dans le T2, sortie du T2, hein, l'endroit habituel. Voilà, alors bien entendu, l'interface me dit rien comme d'habitude. Ah, pourtant, il y a eu du crash, Il y hein. a eu du crash, il y a eu du crash. Donc c'est Il y a parti de eu. qui, t'as... Je pense qu'il doit y avoir Yannick Göring qui était impliqué. Peut-être Loïc Trocmé aussi. Alors, on va essayer de revenir sur ces pilotes. Là, je suis remonté encore trop loin, hein. Je sais pas, je suppose, ouais, ça c'était. Bon, ben, on va réinitialiser l'interface en espérant que ça se passe mieux. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, ah, ça, c'est le problème du short track. Il va falloir qu'on navigue beaucoup, sinon ça se trouve, les yellow. Bon, eh ben, écoutez, si vous voulez revoir ça, n'hésitez pas. Vous aurez les highlights, hein, comme d'habitude, de notre ami monsieur Eric, qui se fera plaisir de vous faire voir ce qui s'est passé. Parce que ben, Oui, ou moi, je ne l'ai pas retrouvé. comme dit Eric à la bonne franquette, tu peux rembobiner, hein. Oui. Bah écoute, j'ai rembobiné trop loin, ça a été trop vite. Voilà, on va revenir. Bon, du coup, personne n'est rentré, je pense, au pit. Non, personne à part nos deux accidentés, mais sinon non, il n'y a pas de pit. Bon, après pour 2 tours, ce serait très étonnant que quelqu'un rentre. Hein. Seulement 2 tours de course dans les pneus, ils sont quasiment pas touchés. Allez, je pense qu'il va falloir que je relance un petit peu certaines mécaniques si je veux que ça fonctionne. Et attention, on est one lap to green, ça va repartir. Ça va repartir. Jordan Le Diarc toujours en tête, suivi de Jérôme Durand, Thierry Despois, Damien Clavet et Pierre Martin pour le top 5. Et ça va partir, on sort du T4 et ça relance. Allez, on est reparti au 6e, 7e tour. Drapeau vert. Un gros écart avant le passage de la ligne là pour un pilote. Thierry qui est sous la menace de Damien. Oh, contact dans le front stretch, mais je pense pas que ça fasse un jaune, un pilote complètement hors trajectoire. Ah, et ben Ah, voilà. et recontact là dans le T2. Ça, par contre, les amis, on l'a, c'est du direct. Voilà. Ouais, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? j'arrive pas à savoir s'il part tout seul à l'origine ou s'il est poussé. Je pense qu'il est poussé, effectivement. Là, Ah ici, ouais. là, petit coup, effectivement. Contact avec la voiture de. D'abord, on dirait Matisse, non? C'est Matisse, oui. T'as peut-être très bien raison. Exactement. Et Matisse qui vient toucher après. On va revoir ça, voilà, effectivement. On va le voir. Et qui vient toucher après encore derrière. Allez, hop, pof, tac. Et qui retouche ici. Bon, eh ben écoutez, la bonne nouvelle, c'est que celui-là, on l'a pas loupé. En tout cas, on l'a bien vu, c'était en direct. Bon, ben, on en est déjà à notre deuxième yéo, hein. En 10 tours, En ça 10 va, tours, c'est voilà. correct. Est-ce qu'on va battre notre record de la dernière fois? On avait passé plus de 50%, me semble, sous Yellow, hein, si je me souviens ouais, je bien. crois. Hein. De mémoire, je crois qu'on avait fait péter les scores en termes de yellow. Allez, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, effectivement, vous êtes sur la course de Thompson. Les éliminations, c'est ici. C'est pas la vie en rose pour l'instant. C'est un petit peu la vie en jaune. Et c'est pas encore bien la vie en vert. Comme vous le voyez, nous sommes sur le régime de drapeau jaune. Deuxième drapeau jaune au bout de 10 tours. On n'est pas surpris, en tout cas, effectivement, qu'il y ait ces yellows sur ce type de circuit. Non, non, sur des short tracks comme Thompson, on sait qu'il est assez piégeux. On peut s'attendre à pas mal de yellow. Après, il faut voir, ça va peut-être aussi se stabiliser. Les pilotes sont pas très très nombreux. On va voir.
On verra combien. Je mise au moins 5 de mon côté et peut-être qu'on pourra monter Alors, je vais à bien au-delà de rembobiner, 5. je vois que j'ai un crash. Alors, est-ce que c'était une déconnexion pour Philippe Devalet aussi qui a crashé? Ouais, ah Ah bah oui, c'est c'est lui lui dans le qui front est. stretch qui est D'accord, c'est le parti, premier ouais. pilote que tu disais. Oh, regardez un petit peu sur le mur, c'est pas beau Ouais, ça? alors ça je crois que c'est pas très catholique comme tentative de rentrer dans les Ah pits, là ça. là Il est là. Et puis coincé, alors le là, je pauvre. crois que c'est Touring, hein. Il peut plus Ah bah là, il sortir. n'y a pas le choix. Ah, Non, il non, il avait peut pas le plus sortir, choix. c'est C'est fini. Touring. Ah, c'est pas de Oh! chance pour Philippe. Ah super. Alors là, je crois qu'on doit dire les maçons auraient pu faire un mur plus haut, hein. Ouais, avec une petite pente, un petit dévers. Bon, allez, et ben voilà ce qui s'était passé. En tout cas, il a Touring, il est au pit. Et ben, c'est pas bon pour lui, ça. Non, non, Philippe qui a perdu malheureusement 3 tours dans l'opération. Hein. C'est clair, Il c'est est encore clair. au stand, hein, il a peut-être des dégâts. Hein, il a peut-être eu des dégâts là-dessus, je Ouais, sais pas, mais. le fond de caisse a dû bien ramasser un peu. Je sais pas Ouais, s'il y a ah une ouais. gestion du dégât de dessous la voiture, tiens, sur les racing. Bonne question. Alors les pneus, la carrosserie, on sait que oui, ça c'est pas le problème. Mais le dessous, le châssis, tiens. Interrogation, surprise. Et Philippe qui ressort. Qui ressort des pits avec, il aurait avoir 4 tours de retard, mais il ressort des pits. Donc les dégâts étaient peut-être pas très très violents. Alors on le voit ressortir, effectivement, ici. Là, on va se remettre en fond. Le Pescara rentre. Et ça va repartir. Allez, on est parti. Matisse qui essaye tout de suite de récupérer des places. Ah oui, bah Mathis qui est déjà remonté à la 8e place, hein, en partant de la 17e, il fait une sacrée remontée. On s'y attendait, mais bon, avec quelques accrochages quand même, hein, c'était pas une remontée très très propre sur les premiers tours. C'est clair. Allez, on voit ça un petit peu de l'intérieur. Allez, il remonte sur Maxime Mallet. Est-ce qu'il va arriver à le passer facilement? Est-ce qu'au contraire Maxime va bien résister? Deux trajectoires différentes, on a vu que ça Ouais. glissait devant. Pierre. On entend bien hein, la prudence sur l'accélération hein, en sortie du T4 hein, et du T2 là. Oui, surtout quand on doit tenir à l'intérieur parce qu'il y a une voiture à l'extérieur, c'est très très vite Il y a piégeux. Hein. Maxime qui est Si on essaie passé. de trop rester, c'est casse-gueule. Hein. Allez, le field qui s'est un peu étiré, chacun a pris sa place. La hiérarchie se met en place. Oui, ça, c'est en train effectivement de se stabiliser petit à petit. Les pneus vont avoir chauffé, donc on va peut-être avoir moins de glissade. Faudrait pas que je dise ça et qu'on ait juste un accident, mais. Ah, une voiture dans le mur, dans le T3. Mais non, ça repart. Il n'y aura peut-être pas de jaune. Une voiture qui est allée frotter le mur dans le virage numéro 3. J'ai pas. Ah, ouh là là, il doit avoir un problème parce qu'il touche tous les murs là maintenant. Là, il est dans le T2. Oui, alors je cherche le pilote. Il doit pas être loin. Ou ça, ou là, ça ralentit à l'intérieur du T3 et ça rentre dans les stands. Bah, c'est le 169 là. Voilà, j'arrivais pas à le repérer, mais il devait avoir des dégâts. Le Il pneu, avait des dégâts là. le pneu, on va rester dessus, mais le pneu, oui, le pneu intérieur, le pneu extérieur. Donc voilà l'explication, le mur, crevaison. On est obligé de rentrer. Allez, je reviens sur la tête de course. Et j'ai dit tête de course, Jordan qui s'est fait doubler. Ah oui, Jérôme Durand qui a pris la tête. Hein. Et j'ai loupé ça, les amis. Vous allez m'en vouloir. Allez, on va essayer de retrouver ça en replay. Voilà. Hop, qui était super large. Oui, qui a peut-être été touché. Ah oh, oui, très très large, effectivement. A raté un peu sa trajectoire hein, dans le Exactement. virage Donc numéro 2. voilà ce qui s'est passé, les amis. Ça y est, l'interface remarche. Je commence à être chaud aussi, moi. Tout va bien. Allez, donc Jérôme Durand qui a pris la tête de la course, qui a voilà quelques longueurs d'avance, du coup, qui peut se voir venir tranquillement, soigner ses trajectoires.
Jordan au Oui, virage derrière qui a rectifié un petit peu, qui reprend ses bonnes trajectoires. Et puis Terry qui est derrière en troisième position. Ouh, Coralie qui a l'air d'avoir des soucis dans le T1, au ralenti. Et l'intérieur complet du virage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Oh, pour elle a l'air Coralie? d'avoir tapé. Ah, elle a tapé, je pense. Ouais, elle a Allez, on va tapé. le voir La roue, ici. pareil. On va le voir La roue ici en cassée. replay. C'est parti en spin peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, Sortie sur T4. accélération, ouais. Voilà ce qui s'est passé pour Coralie. On a les explications. Et puis, bah, crevaison, hein, avant gauche, cette fois. Ah, ça pardonne pas. Non, non, là, les contacts maintenant sur l'arca sont les contacts au niveau des roues, des ailes avant sont vite vite pénalisés par une roue cassée. Là, faut faire super attention. Avant, elle était assez solide. Maintenant, elle est un peu plus fragile au niveau des roues. Oh, Jordan qui part en traverse, Thierry qui va en profiter. Ah, Jordan qui a un petit peu de Ouais. mal avec cette trajectoire hein, depuis le relance, la relance là. On a des attardés aussi, il faut gérer tout ça. Qui risque même de perdre la troisième place. Non, oh, ça Ouh, le s'est petit touché. contact. Oh ouais, bah ça part à l'arrière et ça fait un jaune. Troisième jaune. Ça s'est passé par là avec Matisse, et ben voilà, voilà ce qui s'est passé concrètement. Damien Clavé avec un. Et Matisse qui, moi je l'ai vu disparaître et qui réapparaît aussi. Voilà ce qui s'est passé. Et ben nous voilà rendus pour notre troisième yellow. J'ai pas vu si on avait des prédictions dans les. Ah, 12 yellow, je vois des prédictions dans le chat là. Mais on en prend le chemin en tout cas. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je vois Zepo73, merci à toi d'être présent. Voilà, vous êtes nombreux à avoir rejoint le sprint, le stream, pardon. Voilà, nous sommes à 30 tours. Nous sommes sur le troisième régime de drapeau jaune. On va voir si ça va rentrer à ce tour-là. Une trentaine de tours. Non, ça rentre pas. Oh, bon, voilà, on sait que de toute façon les dégâts, c'est. Alors, hormis si on est le pneu, comme on l'a vu, qui a explosé, mais bon, en termes de carrosserie, c'est pas très très gênant sur un short track. Hein. Non, non, non. C'est ce qui va être le plus pénalisant. Ça va être soit des soucis, des impacts au niveau moteur, des défaillances moteur, soit effectivement, comme tu dis, les roues, on a bien vu le problème. Hein, on n'a plus de direction quasiment. Donc. Mais là, non, toujours pas de pit. Au bout d'une trentaine de tours, beaucoup souillé l'eau, donc les pilotes n'ont pas beaucoup usé leurs pneus a priori. Allez, encore un ou deux tours et on aura une nouvelle relance, quatrième, enfin troisième relance après le départ. Je pense que le Pescar va éteindre. C'est. Non, pas encore, ce sera prochain tour. Ce sera Encore, ouais, encore encore un un tour, tour. encore un tour. Bon, à noter que Matisse, effectivement, a repris déjà 11 places par rapport au départ. C'est la plus grosse progression. On a aussi Jérôme Poisin et Thomas Pierce qui ont fait une belle remontée en partant un petit peu de plus loin. Voilà, ils sont ici. Donc, ils font une belle course pour l'instant. Ouais, et Olivier Salefranc, hein, qui pite, qui en a profité pour piter. Il va ressortir. Il me semble qu'il est un peu à l'arrière, donc il va reprofiter de pneus neufs. Donc peut-être la bonne opération. Hein. On va le voir effectivement ici qui pite. Changement de pneu. Oh, il a été imité ou sinon il y en a encore il y en a qui sont encore dans les stands depuis très longtemps. Ouais, bah il y a quelques pilotes, hein, qui ont des dégâts. Oui, effectivement, hein. Il me semble pas qu'il y ait d'abandon, non, il n'y a pas encore d'abandon, mais Dylan Fetty, ben non, c'est Coralie, Thomas Boivin et Yannick Hugerig qui sont avec toujours la meatball, le meatball flag, donc avec des dégâts à réparer de manière obligatoire. Et le Pescar rentre. Allez, le PS40, on suit cette nouvelle relance. Allez, c'est reparti. Jérôme Durand qui repart en tête, suivi de Thierry Despoix de très près. Ça me paraît avoir du monde ici. Ça va. Ouh, ça me paraît un petit peu chaud là, dans Ouais. cette zone. Ouais, ça. Ouh, un petit freeway là. Oui, ils ont pas peur, hein. C'est osé.
Non, c'est passé en tout cas, il n'y a pas de dégâts. Enfin, ah, on voit derrière, ça frotte là-bas dans le mur. Ouais, ça frottait un peu le mur, mais ça devrait pas déclencher un jaune, mais ça se bagarre, hein. Ça se Oh, bagarre pas là, mal. oui, c'est. Allez, Mathis qui est déjà revenu en quatrième position. Et qui a doublé Pierre Martin et qui essaie de remonter sur la tête. Rester là, ça me paraît un petit peu plus chaud. On va essayer de prendre un plan plus large. Je vous dis, c'est compliqué. Voilà, vous seriez dans les tribunes, les amis. Voilà ce que vous verriez. Hein. Alors, cela dit, c'est assez sympa comme caméra. Hein. Et on voit presque le mieux. Là, on a vraiment le plan assez large. Puisque mine de rien, on arrive quand même presque à 180 km/h sur cet ovale en vitesse maximum. Et n'oublions pas qu'on fait quand même le tour en 21 secondes, 22 secondes quand même. Hein. Donc ça va vite. Le tour Oui, s'enchaîne vite. c'est les short track, hein. Short track rapide, on tourne une vingtaine de secondes. Sans jaune, la course peut être assez rapide, mais si on a une course très hachée, on en a pour un petit moment. Allez, là aussi, chacun a pris sa place. Les écarts sont un petit peu faits. Il y a un peu moins de bagarre maintenant. Parce qu'on part sur un run un petit peu plus long, ce qui serait sympathique. Oui, c'est possible. Mathis qui attaque pour la troisième place. Et qui. Ouais, c'est pas encore fait. C'est pas C'est encore pas encore fait. Alors, ça va se passé. faire. Prochain virage. Ouais. Mais à l'extérieur, Jordan résiste pas mal. Hein. Mais non, c'est toujours pas passé. Si, c'est Ça fait. y est, c'est fait. Allez, c'est fait. Mathis qui prend la troisième. Ouh, crash dans le T3. Un accrochage dans le T3 et ça déclenche le jaune. Allez, regardons ce qui s'est passé avec Damien. Hop, ah oui, effectivement, ça Ouh, s'est ouais. accroché. Un accrochage de l'aile arrière droite, ça pardonne rarement. Ça. Pof, pof, et voilà. Tac. Et boum, comme dirait l'autre. Et là, ça a tapé sec hein, dans le mur. Il n'y a pas de safe wall, hein, de safer wall. Là, c'est directement du béton. Les dégâts peuvent être assez conséquents en cas de contact direct et violent. Allez, c'est notre quatrième drapeau jaune. La ligne qui est en train de se former derrière le Pescar. Les pilotes qui vont pas forcément rentrer tout de suite, hein, ils vont préférer attendre de bien rejoindre le Pescar. On va voir si la salve, une première salve de pit va être déclenchée ou pas. Allez, on va regarder ça. Et Revenir Thomas Boivin qui sort des pits, qui a fini ses au live. Ouais, qui a réparations. fini séparation, c'est ce que j'étais en train de zioter. Yannick Gurig et Coralie, toujours en réparation. Toujours Oui. avec la mid-ball flag. Exact. Et a priori, ça ne rentre toujours pas. Pas de pit. Oui, parce qu'on a quoi? On a, allez, pour ceux qui n'ont pas pité, oui, 40 tours dans les pneus, donc ça va. Olivier Salefranc qui re-rentre. Est-ce qu'il avait changé que les deux pneus tout à l'heure? Est-ce qu'il en rechange? Est-ce qu'il répare des dégâts? Je ne sais pas du tout. On va voir. On voit effectivement ici au stand. Une petite manœuvre. Ah, et qui change les pneus droits en tout cas. Il change les Et quatre je mets pneus. les 4 pneus, effectivement, ce qui. Oui, parce qu'il faut faire attention de ne pas perdre un tour, hein. C'est quand même un short track, voilà, quand les positions sont pas serrées. Non, faut faire attention après, voilà. Alors, l'avantage de cette sortie aussi, c'est qu'on gagne pas mal de temps, hein, par rapport au virage. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'on est sur un field voilà, qui est assez limité, 17 pilotes, dont 2 qui sont dans les pits pour réparation. Donc on est à 16 pilotes. Bon, on a peut-être un peu de temps. Tout à l'heure, je disais qu'il valait mieux éviter de changer les 4 pneus à partir de la 12-14e place. Bon, a priori, il y a un peu de marge. Hein. Je pense que peut-être même au-delà de la 15e, 16e, on peut encore changer. C'est vrai que quand on a des fields un peu plus conséquents à 20-25 pilotes, là, il faut vraiment faire gaffe. Mais là, c'est peut-être pas assez nombreux
Ah, et Coralie qui est ressortie. Qui est ressortie, oui, mais qui doit laisser passer tout le monde. Et a priori, Yannick Gueric, pareil, qui sort des pits. On la voit, qui va laisser passer le fil. Et voilà, qui va se mettre derrière. Ouais, Coralie qui a 19 tours de retard et Yannick qui a 40 tours de retard. Bon, en tout cas, nous avons plus que 13 pilotes dans le tour du leader. Et nous sommes en one to green, donc nouvelle relance à la fin de ce tour. Allez, et Jérôme Durand qui va relancer. On va vivre la relance de la caméra arrière de Jérôme. Et ça va partir. On va voir tout de suite si Mathis va essayer de s'emparer de la deuxième position derrière. Ouais, ah, il attaque Mathis. Il attaque. Mathis intelligent, hein. Je pense qu'il résiste pas forcément. C'est pas le moment. Ouh, alors ça, c'est osé. Ça, c'est osé. Jordan, oulala, Jordan, quelle manœuvre! Oui, bah oh, dis donc, Mathis, ça passe, c'est passé. Posé. Parce que Mathis va essayer de décroiser tout de suite au prochain freinage et il est Ah, ça a craché, ouais, sortie T4. Sortie T4 pour qui? Pour Pascal Paquet, c'est ça, non? Je crois, il me semble le. Ouais, c'est ça, Pascal Paquet, le numéro 150. On va le voir ici, hop, il se fait toucher. Ah, bah là, le voilà, de front a pas tenu. Celui-là, il n'a pas fonctionné, effectivement. Non. Oups, et Philippe qui est venu s'empaler derrière. Ouais. Qui a fini par faire la toupie. Ah ouais, Philippe qui a bien tapé. Hein. Il y a pas de... Je sais pas s'il a des gros dégâts. Ça... Il n'a pas la meatball flag, c'est déjà ça, mais... Et qui a bien tapé, quand même. Hein. On va essayer de retourner voir ça, puisque c'est lui qui a tapé. Boum, voilà, ça a bien boomé. Ouais. On voit pas trop de dégâts là sur cette vue là. Non, 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 ça n'a pas l'air. Et je me pose la question si est-ce que ça aurait pu détruire le pneu arrière ici là ou pas. Parce qu'on a quand même bien tapé là hein, sur le pneu. Peut-être. Écoute, j'aurais dit que ce serait possible, mais je vois pas de meatball flag déclenché, donc d'accord. A priori la roue est pas cassée. Mais c'est vrai que ça aurait pu, hein. Un contact directement sur le train arrière, ça aurait pu faire des c'est dégâts. C'est vrai que moi je n'ai vu jusqu'à présent que sur les roues avant, hein. J'en ai jamais vu sur les roues arrière. Ben moi non plus, mais c'est vrai que c'est assez rare de taper violemment sur la roue arrière, mais c'est vrai que c'est plutôt le train avant en général qui casse. Je sais pas si c'est programmable, enfin si c'est programmé que le train arrière puisse casser. Allez, donc 5ème yellow. Écoute, 5 yellow, 50 tours à tous les 10 tours, hein, grosso modo. On est encore sur des bonnes stats hein, de yellow. Oui, bah, on s'y attendait. Hein. Et Loïc Trocmé qui rentre dans les pits, mais il rentre au ralenti depuis tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il doit avoir un souci. Et qui a perdu un tour. Je sais pas s'il a un problème ou autre, mais. Il a fait son tour juste devant le PSCAR. Hein, donc il va perdre un tour. Ouais. Alors, on va voir si c'est juste du changement de pneu. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors on nous signale peut-être un bruit de moteur pété. Et j'ai cru voir de la fumée aussi dans le T2. Donc est-ce qu'il a cassé le moteur? Ça serait ça. Eh oui, hein, il a un meatball flag. Donc il a dû avoir un souci moteur. Il a le meatball flag. Donc, Alors on va le voir. Pourtant là, ça a l'air 7h. Oui, allez, je vous le remets, les amis, c'est beau ça. Ah, pas pour lui, hein, mais. Oui, non, pas pour lui. On va entendre ça. Boum, et un moteur. Et. C'est qui déjà? Donc, c'est Loïc Trocmé. J'espère que c'est pas un SBG lui, hein, parce que les barbecues à SBG, c'est connu, hein. Bah, ouais. Bon, en tout cas, ben, course terminée pour lui, hein. Et malheureusement, là, moteur cassé, c'est minimum 30 minutes de réparation. Ouais, est-ce qu'il va les faire? Est-ce qu'il va se déconnecter? Oui, fondamentalement pour la course, c'est foutu. Hein. Là, ouais. Allez, on revient en live. Nouvelle relance.
Ça va repartir. Jérôme Durand devant Jordan, Matisse, Terry et Thomas Pierce pour le top 5. C'est parti. Et Matisse qui essaye de te faire tout de suite l'intérieur à Jordan. Et c'est passé. Pour prendre la deuxième. Jordan, ouais, qui... Ah, il va en chercher sa peau, Jordan, ce soir. Hein. Ouais. Ça se défend bien. Ça file des jolies bagarres. Qui va être maintenant sous la pression de Terry. Et le fil qui s'est tiré aussi. Ça se bagarre au niveau de Philippe, hein, je crois, de Philippe Del Valle. Petit contact qui est dans le backstretch avec la 169. De Thomas Boivin, ils sont pas du tout dans les mêmes tours. Une trajectoire très très basse hein, sur les virages. Ouais. Je suis pas certain que ce soit la bonne trajectoire. Non, je accident dans le. Ben, on va les voir dans le virage 3 et 4. Et voilà. Tac. Alors il y a le numéro 100 de Olivier Salfranc et avec, j'ai pas vu avec qui il s'était accroché. Allez, on va aller voir ça. On est avec Olivier. 147, Jérôme Poisin, ouais. Eh oui, au freinage. Ouf, ouais. Ah ouais. Et ça repart et. Ouf, bon évitement, hein. 852. Il est bien resté sur les freins. Voilà, ça va faire plaisir aux admins. Marche arrière, très très bonne manœuvre. Bon, Olivier, c'est pas le premier venu non plus dans la ligne. Hein. Non. Voilà ce qu'il faut faire, messieurs les rookies. Les freins, marche arrière, pas gêné. Le passage, de toute façon, le yellow est déclenché, ça sert à rien. Ce n'est d'embêter des petits copains. Et Philippe qui se délape, qui a dû hériter du Lucky Dog. Il va se retrouver à. Et ben on va le voir. À 3 tours normalement. Il va être à 3 tours. Ah, s'il y a beaucoup de jaunes. Ça peut le faire, à 3 tours. Je pense qu'on aura bien encore 2 ou 3 yellow jusqu'à la fin. Hein. Ah ouais. Là, c'est un tous les 10 tours. Hein. Donc, grosso modo, c'est la moyenne. Donc, ça va être long. Ça risque d'être long. Bah, lui, il est content hein, qu'il y ait des yellow, hein, je pense. Oh bah oui. Bah, en tout cas, pour lui, il vaut mieux. Hein. Là, ça lui permet de remonter. Donc, il y a tout intérêt. Et donc, Olivier qui est toujours au stand. Qui repart. Non. Et qui change les pneus. Ouais, est-ce qu'il va pouvoir rester dans le tour? Ça va être short. Quoique non, c'est bon, il ça, repart. Ça va non, le faire, il repart. Oui, il a de la marge. Il a de la marge, ouais. Ses petits carrés dans la sortie turn 4. Allez. Toujours pas de changement de pneus pour les leaders. Hein. C'est presque bientôt 60 tours sur ce train de pneus. Ouais, mais on est au quoi? Au 5 ou 6e yellow? Oui. À raison de 3-4 tours, ben ça fait quand même déjà pas mal de tours. Hein. C'est presque la moitié sous jaune, donc un petit peu moins de la moitié. Donc au final, 58 tours, on en enlève presque 25. Ça fait que 25, un peu plus de 26-27 tours dans les pneus sous vert. Les pneus sont presque neufs. Loïc est toujours au stand. Ah ben là, Loïc, ouais, je pense qu'il en a pour un moment. Hein. Normalement, un moteur cassé, c'est 30 minutes de réparation. Donc, Mais bon, il est toujours là. On peut toujours prendre des places. Hein, même s'il revient, alors 30 minutes avec les drapeaux jaunes, ça fait quand même beaucoup de tours à rattraper. Je ne sais pas si ça vaut encore le coup. Ah, c'est toujours après un pari. Hein. Les places, on sait que chaque place, c'est un point de gagné. C'est pas comme en Formule 1. C'est pas que les 10 ou 15 premiers qui marquent des points. Tout le monde marque des points. Et puis ça va lui donc faire mal points, au championnat. Ça, je crois qu'il était pas trop mal. Alors placé, c'est ouais, ça peut faire mal au championnat, mais d'un autre côté, avec des accidents, on peut gagner des places même à 30-40 tours de retard. Donc ça peut valoir le coup. Hein. Ne jamais abandonner, on dit. Allez, c'est reparti. Oups, ouh. Ça partit pour Jordan. Ouais. Oui. Après, oh et ça oh part, là, ça oh, part, ça part en cacahuète là, les amis. On va revoir ça un petit peu ralenti. De ce qui se passe et Jordan qui se loupe effectivement et qui part en travers et là oui bah, c'est un peu l'hécatombe. On dirait presque qu'il est parti en première hein. il a complètement fait partir ses pneus. Est-ce qu'il n'est pas parti en première au lieu de en seconde? Bah, c'est une bonne question. On va essayer de voir ça de l'intérieur peut-être si
5000 tours, non? Il a l'air d'être en Ouais, donc, seconde hein, à ouais. 5000 tours, mais ouais, peut-être un peu trop appuyé sur l'accélérateur d'un coup. Trop généreux à l'accélération, on va donc Ouais. dire. Voilà. Bon, pourtant, on aime bien parfois les gens généreux, mais là, beaucoup de monde Trop. impliqué, je pense qu'ils auraient aimé qu'ils soient moins généreux. Oui, oh là là, les pneus forcément crevés, donc ils rentrent au stand pour changer aussi. Que c'est Bon, un pneu Jordan a fait un crevé bon ou début est-ce de que course, mais il était quand même à chaque fois un peu sur la tangente, hein. ouais. C'est vrai qu'il attaquait beaucoup, il Ouais, était ouais. il, beaucoup d'envie dans cette course. C'est un peu triste de le voir malheureusement avec autant de dégâts. Mais est-ce que là, il a la mid-ball flag. Hein, donc est-ce que la roue a pris plus? C'est peut-être plus qu'une roue crevée. Hein, Ouais, je pense qu'il est. le train avant dû prendre. Il va Hein. se prendre 2 ou 3 tours. À mon Ouais. avis, a priori, ça va être le tarif. Bon, bah écoutez, les amis, tout doucement, on va se diriger vers la mi-course. Et M. Fracas qui nous dit, a priori, s'est fait bumper au start, en fait. Ce Ah, qui il a s'est fait peut-être. bumper au start. Ouais, Ah, parce alors que c'est ce qui l'a déséquilibré. ça nous aurait échappé, nous l'aurions pas vu. Alors, on va essayer de retourner le voir. Peut-être se mettre du pilote qui était juste derrière lui. Je ne sais pas qui c'était. Alors, hop, est-ce que ça va le faire ou pas? Ou est-ce que ça va pas le faire? C'est pas Jordan, ça. Bon, ben. Alors, on va essayer de le retrouver. Ouh, Matisse, oui, Matisse C'est qui a ça. anticipé beaucoup l'accélération, qui l'a tamponné à l'arrière. Bon, eh bien, écoute, t'as les explications. Moi, je n'ai pas le retour, donc. Non, attends, non, je dis une bêtise, c'est pas du tout Matisse. Excuse-moi, je confonds avec les couleurs de voiture. C'est pas du tout Matisse, c'est le 146. C'était toi, C'est Piertz. Thomas Pierce, alors, d'accord. Oui. Désolé pour Matisse. Bon. Alors qu'il était en seconde position, il pouvait pas Bon. du tout le bumper de l'arrière. Bon, Hein. les amis, vous connaissez le tarif, hein, les highlights, je serai obligé d'aller les voir. Hein. Allez, on va bientôt repartir pour une 7e relance. Quand même amortir notre hélicoptère. Hein. Ah ouais, il faut bien. Au prix de location, au prix du kérosène. Matisse Oui, qui attaque Matisse qui se tente. d'extérieur tout de suite. Ah Oh, ouais. belle manœuvre à l'extérieur, dites donc. Ah ouais, c'est fait. C'est passé. Devant Jérôme. Ouh, il y a un pilote dans le mur, dans le T3. Mais c'est bon, il a réussi à C'était rattraper. Olivier Et Safranck. pas de jeune là. Ah, c'est chaud ici. Pierre Martin. Laurent Delaye. Et Olivier Safranck. Allez, Pierre qui va essayer de faire l'intérieur. Allez, le plus dur est fait. Maintenir. Laurent résiste pas. Et puis alors quand on est propulsé ici à l'extérieur, David, il faut très très rapidement essayer de replonger parce que sinon la pénalité c'est qu'on perd 3-4 places. Hein, Ah si. ben on peut vite perdre des Ouais. places, mais plonger à l'intérieur, si on a des voitures, ça peut vite créer un accident. Donc c'est complexe à gérer, hein, la trajectoire extérieure. Mais effectivement, hein, tu peux vite perdre des places. Hein. Matisse qui a donc pris le commandement avec une belle manœuvre, avec un dépassement en T2, sortie de T2 extérieur. Suivi de Jérôme Durand. Ah ouais, c'était une belle manœuvre de la part de Matisse là pour prendre la tête. Très belle manœuvre. Là, ça commence à mettre un peu de distance entre les voitures.
Et pour les 5 premiers, il n'y a pas trop de danger. Non, pour l'instant, non. Ouais. Plus un petit peu ici la bataille pour la P6 avec Olivier. P7 avec Olivier Salfranc derrière, peut-être, qui essaye de revenir sur Pierre Martin. Pierre Martin, ouais. Et là, je dirais que les 5 premiers sont un peu dans un fauteuil tranquillement, ouais, ouais. Bien espacés les uns les autres. Mais pour la 6ème, déjà, ça se bat. Hein. Pierre Martin qui attaque. Oh, bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Bah, dis donc, c'était généreux celui-là. C'était extrêmement généreux. On sentait arriver le truc. Hein. Ouais, voilà. Ouais, là on est à la limite, enfin plus qu'à la limite du dive bomb. Ouais. Je pense qu'il a raté son point de freinage, mais. On va essayer de voir ça, effectivement. Effectivement, oui, le freinage, puis on vient juste effleurer l'arrière. Et ça suffit pour déséquilibrer. Ah ouais, ça suffit pour percuter. Ouais, pour Pierre Martin, là, qui sort allègrement. Allez, 155 de Max Team. Ça pite, les leaders pite. On est à peu près, ben, on est à mi-course pile poil, hein, 75 tours sur 150. Allez, qui va ressortir en premier? Donc Mathis qui arrive là-bas derrière, oui, qui gagne sa première place. Jérôme qui ressort en deuxième. Thierry troisième. Bon, pas de changement a priori pour le top 5. Et est-ce que j'ai pas vu? Est-ce que Damien Clavet s'est arrêté? Eh ben non. J'ai trois pilotes qui se sont pas arrêtés, Damien Clavet, Laurent Delaye et Maxime Mallet, mais qui vient de rentrer lui. Oui, Damien Clavet et Laurent Delaye qui sont restés à l'extérieur pour prendre la tête. Alors on va avoir des pneus plus usés, donc oui. Est-ce que ça va être une stratégie payante ou pas, on va voir. Est-ce que peut-être Damien était cherché aussi un point de lead? C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il va rentrer maintenant? Est-ce que on va voir. Il a l'air d'être dans la... Non, il rentre pas. Ça va repartir avec Damien Clavet en tête devant Laurent Delaye. Allez, les amis, si vous voulez nous rejoindre, on est à la mi-course de la 6ème manche de la 72 Painting Eiffel Rookie Series sur l'Oval de Thompson. On a fait la moitié du chemin. Nous en sommes déjà à notre 8ème drapeau jaune. Donc, autant vous voyez qu'il y a beaucoup d'illumination ce soir. Les couleurs changent entre le jaune et le vert. Sans souci, il y en a même qui ont eu des drapeaux noirs avec un petit meeple orange dedans, ce qui n'est pas possible puisque ça veut dire qu'il faut réparer. Bien entendu, voilà, pas de changement au niveau de la piste. Voilà, on a pris un degré sur la piste. Donc, voilà, bah. Heureusement qu'il ne fait pas encore trop chaud, parce que ça glisserait encore plus, hein, David. Oui, ça glisserait pas mal, là, 26 degrés sur la piste, on a une température où on a un bon grip, c'est pas encore trop chaud. C'est plutôt des bonnes conditions de course. Ah. Je vois qu'on le signale aussi dans le chat qu'a priori Olivier aurait pris une pénalité, puisqu'il a doublé en rentrant dans les pits. Ouais, ça, la position à l'entrée des pits, elle est très importante à surveiller, il faut surtout pas aller trop vite. Si on double quelqu'un avant de rentrer, c'est pénalité, c'est drapeau noir. Allez, on s'apprête à la relance. C'est Damien Clavet qui n'a pas pité avec Laurent Delaye qui sont tous les deux en tête, mais je pense qu'ils vont pas faire long feu face aux pneus neufs derrière de la concurrence. Ouais, ils savent voir. Hein, On va voir. Oui, non. Ouais, Laurent Delaye qui s'est déjà bien dépassé. Hein. Oui. Damien pour l'instant qui résiste. Il y a des trois fronts là-bas derrière là. Ouais. Ouh là là, est-ce que ça va chicorer aussi? Ça va mal finir. Ouais, ça finit mal. Ça finit mal. Je le sentais venir. Allez, on revoit ça ici. Et oui, forcément, Pierre Marchand. Et Laurent Delaye, eh oui, donc là, peut-être de ne pas avoir changé les pneus, c'était pas la bonne stratégie. On va revoir ça. Ouais, il se fait tasser, alors bon, on dirait qu'il est pour rien, c'est le 147, c'est Jérôme Poisin un petit peu qui tasse tout le monde. Hein. Ouais. Si on revoit ça ici,
C'est lui qui vient tasser un peu tout le monde. Oui, Ouais, un petit oui. peu. Il remonte très très haut. Hein. Il remonte middle alors qu'il y a déjà deux voitures à l'extérieur. C'est ouais. Une petite erreur de trajectoire pour Jérôme. Effectivement, ouais. Et là. Allez, on revient en live. Damien qui est Neuvrième toujours en drapeau tête, qui jaune. rentre pas. Ah bah oui, il rentre toujours pas. Bah écoute, pour l'instant, ça fait des tours menés, on va dire ça. Oui, là, il a bénéficié là, de la sortie du jaune hein, pour ne pas se faire Oui, dépasser. Au moment du jaune des sorties, je crois que Matisse tentait une attaque. il Hein, me donc, semblait, oui. On nous dit dans le chat qu'il y a encore du carnage. Oui, effectivement, Zébro, tu as raison. Il y a un peu de carnage sur la piste. On l'avait dit au départ, hein. Thompson, c'est souvent une course un peu hachée. Ah, et il y a quelqu'un qui rentre dans les stands. J'essaie de repérer qui c'est. Olivier Salfranc, me semble-t-il. Ouais. Je viens de le mettre en replay. Voilà, qui rentre à nouveau. Qui doit faire... Mon avis, il doit faire des réparations. Hein. Je pense qu'il ne change pas ses pneus à chaque fois. Même si le budget était limité, quand même, on le sait. Oui, en rookie, c'est un peu l'avantage, hein, c'est qu'on peut changer un peu les pneus à l'illimité. On va voir là sur le pit, est-ce qu'il change les pneus ou est-ce qu'il fait les répares? Il a Ah, toujours il un. Qu'est-ce qu'il nous fait? doit freiner trop tôt, il doit être un peu Ah trop en oui, arrière ça fait sur plusieurs le. fois, hein. Ouais, non, là c'est des réparations. Ouais, Tu as effectivement, raison, il il n'y a répare. pas de changement. Et il ressort devant le Pescar, hein, il n'y a pas de souci. Ah, il a un tour, si, il a un tour en retard. Bon, est-ce que Il a c'est pris un bien tour, ça avant? oui. Marjorie Raoul c'était un tour. On n'a plus que 10 pilotes dans le tour. Donc on récapitule en première position, Damien Clavet suivi de Matisse Herbert. Alors on signale que Damien Clavet n'a toujours pas ravitaillé, il est toujours sur 85 tours au niveau de ses pneus. Troisième position pour Jérôme Durand, quatrième position pour Thierry Despois, cinquième position pour Jérôme Poisat, sixième position pour Thomas Pierce, septième position pour Maxime Mallet, huitième position pour Pierre Martin, neuvième position pour Laurent Delahaye et qui clôture le top 10, Pascal Paquet. Ensuite, Marjorie Raoli qui est en 11e position à un tour, Olivier Salfranc aussi à un tour, Philippe Devalet à deux tours en 13e position, Thomas Boivin qui est à 20 tours et qui est toujours en piste, Coralie Gauthier qui est à 20 tours, Jordan Ledirach 22 tours, Luc Tremé qui est toujours dans les pits, et Yannick Düring qui est à 40 tours mais qui a dû abandonner. Il y a une pénalité pour Olivier, je ne sais pas exactement ce qu'il a eu. Est-ce que c'est un drapeau noir qui va devoir Allez, faire on va en repartir. renouvelant ou est-ce que. Allez, c'est reparti. Damien qui relance ou là, Matisse qui s'est un peu loupé. Ouais. Henri Star qui s'est fait un peu bumper derrière, mais qui va essayer de faire tout de suite l'extérieur comme tout à l'heure. Voilà, c'est fait, forcément avec les pneus neufs. Ouais, Damien qui va peut-être pas pouvoir faire grand-chose, même en gardant la trajectoire intérieure. Hein. Ça va être compliqué. Ah oui, là c'est complexe, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça crée souvent des regroupements propices à des accrochages. C'est souvent le souci avec les pilotes comme ça, entre guillemets, qui changent pas les pneus. C'est une tentative, mais c'est difficile de tenir le rythme. Ça peut faire un peu bouchon. Après, c'est une stratégie. C'est aussi aux autres pilotes de faire attention à une voiture plus lente. Oh, Oh. Jérôme qui a été touché le mur, Ouais. sans conséquence, sans drapeau jaune, sans gravité. Olivier Salfranc hein, qui fait sa pénalité a priori dans les pits. S'il a pris 26 secondes, 30 secondes. Ouais, je pense, hein, parce qu'il est toujours sous régime de drapeau noir à l'arrêt, donc Ouais, allez c'est voilà, voilà, c'est sa pénalité reparti s'il te et plaît. ça, ce sera au minimum 2 tours dans la vue. Ah ouais, il est à deux tours. Ah, attention, il ressort. C'est bon, il n'y a pas grand monde sur l'ovale. Non, non, il Parfait. ressort devant Coralie. Matisse qui s'échappe, hein. Matisse en Ouais. tête qui déjà pris un peu de longueur sur Jérôme. Perry en troisième position, Thomas Pierce quatrième, Damien Clavet qui Thomas clôture Pierce le qui a top fait une belle 5. remontée, qui a gagné 10 places depuis le départ. Belle course de Thomas.
Allez, on va aller voir un peu le pilotage de Thomas, comment ça se passe sur cet ovale. Trajectoire assez haute quand même, hein. Ouais, ah oui, il est très extérieur dans les trajectoires. On voit qu'il perd un peu de temps, hein, Ouh, deux voitures qui partent dans le front stretch. Là, on va avoir un jaune, je pense. Ouais, voilà. Est-ce que ça s'est passé par là? Pascal Paquet. Et Et Olivier, c'est je parti, pense. voilà, ils sont pas... Ah, ils se sont pas touchés. Non, non, ils sont partis Et tous les mes deux. amis se sont pas touchés. Ah, Maxime, C'est à allez, signaler. Maxime, allez, passe. Ah, ils sont coordonnés en tout cas. C'est beau. C'est beau, hein, la glisse. Ouais, je m'en lasse pas. Ce petit balai simultané. 55-147. Oui, alors moi j'annonce Pascal Paquet, mais pas rien du tout. C'est Jérôme Poisa et Maxime Mallet qui sont partis ensemble. Ah oui, ils sont partis ensemble, on les a à l'écran. Ensemble, mais pas ensemble. Voilà, disons que le Ricard avec le Perrier, ça fait pas bon ménage, mais ils se sont pas touchés en tout cas. Hein. Donc, non, non. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais ça a l'air de bien se marier en tout cas. Ouais. Bien sûr, les amis, avec modération, n'oublions pas. Hein. Toujours. Toujours. Surtout nous, on est toujours très modérés. Bon, allez, un de plus. Je ne sais pas si j'en ai pas loupé un. Je crois qu'on en est en 11e. J'avais une prédiction de 12 yellow dans le chat tout à l'heure au départ. Bah oui, je pense qu'on va aller au-delà de 12. Hein. Et une voiture qui rentre au piton. J'essaie de repérer qui c'est. Ouais, Yannick Gurig qui rentre. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Ok, ben, on va aller le voir, mais je ne l'ai pas en annoncé. Allez, ça change les pneus, oui. Ça change les 4. Ouais, ça change les 4. Damien Clavet et Laurent Delahaye n'ont toujours pas changé leurs pneus, hein. Non, non, c'est étonnant, hein, en ayant perdu la tête de ne pas rentrer avec des pneus beaucoup plus usés. Il n'y a plus d'intérêt, là, en plus. Ça peut paraître étonnant comme stratégie, est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête? Je sais pas, parce qu'il faudrait que même Laurent, même s'il ressort, au pire, il ressort 10e, donc il est dans le top 10. Ah, et je crois que Marjorie Raouli vient de se délaper, a hérité du Lucky Dog et vient de rejoindre le tour du leader. Ah, ben bah, c'est super, ça. Marjorie, 11e place, oui, qui fait une jolie course aussi. Hein. Qui est là. Effectivement, qui est en train de se délaper et qui revient dans le tour du leader. Effectivement, ben, peut-être un port d'un top 10. Elle est pas loin, hein, une place du top 10. Oui, puis je dirais qu'elle est un petit peu... alors bon, il y a du monde un peu devant, mais voilà, elle a quoi, là, deux tours d'avance sur Philippe Devalet, qui sera le prochain Lucky Dog. Ouais. Donc ça peut le faire, hein, pour Marjorie, effectivement, on peut accrocher un top 10, hein, s'il y a un petit peu de casse devant, en plus. Oui, et puis sans porter malheur au pilote, je suppose qu'il y aura un peu de casse devant. Oui, il y a un peu de casse, je pense qu'on aura encore des yellows, c'est ce que je veux dire, effectivement, on va pas l'emporter, voilà, on a déjà eu un moteur pété, des roues pétées, on a eu la droite, on a eu la gauche, on pensait avoir l'arrière, on a un peu l'arrière, on a eu aussi un châssis, hein, par Philippe, donc on a eu un petit peu, il nous manque quoi, il nous manque le toit, peut-être. Ouais, le toit, un le petit toit, tonneau. Toit. Ça serait allez, joli, un petit tonneau. Allez, prédiction. Est-ce qu'on aura un toit? Allez, c'est reparti. C'est parti pour un Maxime. Matisse. Oui, Matisse, pardon. je suis euphorique. C'est pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. Allez, on va rester par là, puis c'est vrai que Matisse va s'envoler doucement, je suppose, comme d'habitude. Ouais. Ça se bagarre un peu allez, derrière. On va rester hein. aussi avec Thomas Pierce qui était large. Non, c'est bon. Ouais. Et voilà, qui est bien dans le coup aujourd'hui, en tout cas. Ah ouais, il tient sa quatrième position hein, pour le moment. Ouh, non.
Une tentative ou un dépassement là dans le T1. Ça passe. Ça faisait un peu la poussette dans la ligne droite, mais c'est tout. La vue satellite permet pas toujours de voir qui c'est, mais je rate pas une miette. Alors j'ai les changements, hein, si ouais, j'ai Jérôme Poisat qui a pris la P8, Maxime Alec qui a pris la P7, je ne sais pas si c'était un de ces deux Alors, pilotes. je pense que c'était Jérôme Poisat. Donc là, comme je suis pas trop mauvais, normalement, je dois pouvoir faire ça et on devrait voir le passage ici. Ah ben regarde. La Ouh, ah oui, on a un peu, ah 7. oui, on a un peu soulevé l'arrière, enlevé un peu Et on en a d'adhérence au profité. concurrent, c'était Jordan, je crois. On appelle Ou ça un Jérôme, ouais. bump and run. Voilà, et ouais, c'est au toc. Vous voyez, quand ça marche Mais bien la propre. technique, on est bien. Ah, mais propre, hein. Hein. Ah, ouais. Pas eu d'accident, pas eu de Effectivement, sur on peut rien. estimer que c'était propre. Allez, hop. Ah, ça chicore un peu par là. Avec les Ah, retardataires. il y a un peu de bagarre à l'arrière. À l'avant, là, les 6 premiers sont bien installés. Même les 8 premiers. Et derrière, il y a un peu de bagarre, ouais. Rallye, qui est toujours à 20 tours. Et qui fait sa course en tout cas. Bah ouais, elle fait sa course, puis avec Thomas Boivin, ils sont dans le même tour. Elle peut gagner une place, hein, potentiellement sur Thomas. Thomas qui est un peu plus loin sur l'ovale, presque un demi-tour. Et pour l'instant, il est plutôt en bonne position pour rester devant, mais la course est encore longue. 45 tours. Il peut se passer des choses en 45 tours. Allez, Pierre qui va attaquer ici. Ouh, sorti un peu trop court. Allez, en tout cas, les amis, nous reste 45 tours. On approche tout doucement du money time, de la fin de cette course. Donc, pour cette sixième manche sur l'ovale de Thompson de la 72 Penting FRN série Rookie. Voilà, vous êtes en direct. Si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. N'hésitez pas, les pouces vers le haut si vous êtes en replay et les follow sur le Twitch. Ça fait toujours plaisir. Ça donne toujours de la lisibilité à ces vidéos et à la ligue, bien entendu. Et qu'on le rappelle, qui est une série gratuite pour la série Rookie. Si vous voulez venir vous essayer un petit peu aux courses sur ovale, vous le voyez, c'est mouvementé parfois. Parfois un peu plus, hein, parfois un peu moins. Ouf, une voiture dans l'herbe, dans le front stretch. Et ça a l'air d'être géré. C'est géré. Ah ouais, c'est géré. Alors, c'est Pascal Paquet, me semble-t-il. Ouais, ça doit être ça. On va voir ça. Qui a un peu surviré hein, la sortie du virage, mais qui a réussi à maîtriser. Hein. Ça n'a pas été On un le gros voit spin, mais. effectivement. Et belle maîtrise, effectivement, pour rien y toucher et revenir sans embêter le monde. C'est bien. Bravo. Oui, c'est l'avantage de cette série Rookie. Hein. Ça gratuit à l'inscription dans la ligue. La voiture est gratuite. Là, à peu près, la plupart des circuits utilisés sont aussi gratuits. C'est vraiment une série d'entrée pour se faire la main et puis pour voir si ça plaît ou pas. Donc, c'est vraiment une expérience à faire. Allez, Pascal qui va essayer de dépasser Ouh, une le voiture cordon. dans le backstretch, pareil. Je ne sais pas qui c'est, mais une voiture en spin. Ça va peut-être déclencher le jaune. Ah oui, Ouais, ça déclenche le jaune. effectivement. Pas de gros contact, hein, mais juste une voiture dans la trajectoire. Ça, c'était tout à Oui, l'heure. ça c'est tout à l'heure. J'essaie de te retrouver. Ah, je l'avais, c'est Olivier. Olivier Selfranck encore qui a un souci. Allez, on va voir ça. On va le voir ici. Ils sont sortis du T2, c'est ça? Ouais, survirage dans la sortie du T2, un classique, très Eh classique, oui, effectivement. qui a essayé de maîtriser, mais ça a été compliqué. Hein. Il a mis les roues dans l'herbe, là c'est fini. Et là on le voit, hein, il voit qu'il ne peut pas faire grand-chose, donc il se cale et il attend. Mais sur trajectoire, il déclenche le jaune alors qu'il n'était pas dangereux, hein, là où il Oui, il n'était était. pas vraiment sur la trajectoire. Non, non. Et voilà, attendre que les voitures soient passées pour essayer. Oh, il a essayé de faire un Oui, petit je sais spin pas s'il a volontaire, essayé, mais il a mais raté. ça n'a pas voulu prendre de risque. Allez. Philippe qui a priori, Philippe Vallée qui a hérité du Lucky Dog. Ben oui, tout à fait. Qu'il n'y aura plus qu'un tour ou deux. Deux. Moi non, Il est deux, à moi. deux tours, donc Trois, je pense deux. qu'il sera qu'un. Un, Il a mais pas non, encore, il fait pas voilà, encore des ça y est, lapés. c'est Voilà. voilà, c'est fait.
Donc il sera plus qu'un Effectivement, tour. pour Philippe, qui maintenant ne sera plus qu'un tour. Donc il revient doucettement pour rentrer peut-être lui aussi dans le top 10. Hein. Exactement. Allez, 12e yellow. Et une voiture qui rentre dans les pits, c'est Thomas Boivin. Est-ce qu'il a des petits soucis ou est-ce que c'est juste pour changer les pneus? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Pas l'air d'avoir de dégâts, hein, donc. Alors, non, mais donc ça Non, faisait quand même changement de pneus. 75 tours qu'il était sur ce train de pneus, donc c'est peut-être le moment. Effectivement, c'est il fallait le changer. Et on a quoi en termes de pneus? Non, non, tout le monde est à peu près. Si, on a toujours Damien qui est à 113 sur ses pneus, hein, 113 tours, Il n'a qui a toujours toujours pas pas. ravitaillé. Hein. C'est vraiment étonnant. Hein. Mais bon, qui se maintient, hein. En tout cas en quatrième position. Oui. Oui, en quatrième position. Cinquième. Damien. Oui, t'as cinquième, pardon, je confonds avec Thomas. Et Coralie, hein, Et qui on a a qui est Jordan au petit qui, soutien. ben, du coup, a vraiment pris cher tout à l'heure, qui se retrouve en P15 à 22 tours. Ouais. Malgré sa bonne position sur la grille, son bon début de course, malheureusement, pas une bonne soirée pour Jordan. Non, 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 non. Ah, et on nous signale que Coralie, malheureusement, a cassé son moteur. Ah, encore un Donc barbecue. là. Ouais, et puis là, 36 tours de la fin, autant dire que la course est terminée malheureusement. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que on peut retrouver ce petit boom ou pas? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que... Ah oui, on l'a bien entendu. Mais malheureusement. Eh oui, malheureusement pour Coralie. C'en est fini. Oups, je reviens vite au direct, les amis. Oh oui, ça repart. Pardonnez-moi, c'est reparti. On s'attarde. Alors, on est avec Diamant qui a 116 tours sur ses pneus et qui pointe toujours en cinquième position. Ah, une bonne maîtrise de l'usure, une bonne économie de pneus, parce que C'est clair. par rapport aux autres pilotes qui n'ont vraiment pas autant de tours dans les pneus, une très belle résistance. Ah, peut-être une attaque de Terry sur Jérôme pour la deuxième. Il est encore derrière, mais ça se fricote. Dépassement de Jérôme Poisa sur Maxime, je crois. Ouais, ça doit être ça. Poisard, Il est oui, qui passé. passe, qui prend la P7. Effectivement. Allez, 30 tours de l'arrivée, est-ce qu'on va aller au bout sous l'air? Allez, croisons les doigts. Je vais croiser les doigts de pied Allez, si on aussi. pouvait faire 20 tours sous verre, ce serait bien quand même. Je suis pas sûr qu'on les ait fait jusqu'à présent. Une voiture qui frotte dans le mur, dans le T3, T4, mais non, ça devrait pas déclencher Joe. Je crois que c'est Laurent, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas lui. Alors c'est Pascal. J'ai cru les amis. Allez, je reviens ici pour la bataille pour la deuxième place. Ouais, pour l'instant, c'est l'accès le plus chaud. Allez, on va voir un petit peu comment Terry va s'y prendre. Non, c'est bon. Dans le front stretch à l'arrière du field, ça a frotté un petit peu, mais sans gravité. Profiter de la déco de la toune, ça y est, il attaque, il prend l'intérieur. Est-ce qu'il va Ouais. plonger? Est-ce que ça va le faire? Non, il est prudent, Terry. Hein. Ah ouais. La Non, raison, hein, la raison. il veut. Ouais, tout à fait. Il veut assurer son dépassement. Ouais. Il veut pas créer d'accident ou autre. Tu vois, les pilotes qui sont quand même assez hauts sur la trajectoire, hein, de manière générale.
Alors on l'a dit, hein, le banking plus réduit, là, proche de l'apron, il peut être piégeux. Hein. On sent que les pilotes s'en fait peut-être 2-3 frayeurs et puis reste sur la partie la plus pentue. Hein. Ouais, presque trajectoire middle XT. Ou un dépassement de Jérôme Boisa qui tente sur Pierre Martin, mais c'est pas passé. Et donc il a même perdu un peu du terrain du coup. Ouais. Une voiture en spin dans le T3, est-ce que c'est Pierre qui encore? Mais c'est pas déclenche pas Jonah, il a réussi à maîtriser. J'ai pas vu. Je vais faire comme ça, je sais pas si c'est pas Olivier. Non, mais ça doit pas être ça, si, oui, Olivier, parce qu'il est toujours crois. Sixième. Ah ouais, ça doit être Olivier, oui, parce que Pierre est toujours sixième, donc. Mais je confonds avec leur couleur de voiture à chaque fois. Ça a touché, non? C'est là, voilà. Effectivement, Ah. avec Thomas Boivin, non, c'est ça. Ah ouais, Thomas Bovin, Voilà, 169, une voilà ce qui s'est touchette. passé. Ah, et Terry qui essaie de se positionner pour passer, mais c'est toujours pas malheureusement sur Jérôme. Pour lui. Ça veut pas, hein. En Non, plus, il puis faut bon, gérer bien dans les il reste rotataires, en encore. plus, hein. Ouais. On le voit ici. Là, il y a de la gestion de Ah, il y a de la trajectoire, gestion à de faire là. Ah oui, dépassement. peut-être non. Il était peut-être bien ressorti ici. Ou une voiture dans le mur T1, mais ça frotte et ça repart. Je sais pas si c'est toujours Olivier, il a pas mal de... J'ai l'impression qu'il a pas mal de soucis. Mathis là qui déroule, qui essaie de passer les retardataires. Terry qui essaie de se tenir au plus près de Jérôme pour essayer d'avoir une bonne position à un moment pour passer. Terry qui prend son temps, qui veut pas faire de bêtises, Non, non. qui veut être propre, d'accord. Et puis il y a vraiment toute cette gestion, vous voyez, des retardataires à avoir en même temps. Il Tout faut à avoir fait. les yeux de partout, hein. Et Damien qui est toujours en cinquième position, hein. Avec 130 tours sur ses pneus. Hein. Donc on peut faire la Ouais, tout à course fait. complètement avec ses pneus. Il reste maintenant moins de 20 tours. On arrive dans le money time. Ça fait un petit moment qu'on est sous drapeau vert. C'est super. Est-ce qu'on va terminer comme ceci? Ce serait bien. Et Marjorie Raoult qui a perdu un tour. Qui reste en 11e position. Elle a un petit tour de sécurité sur Philippe pour maintenir sa 11e Ouais, position. Philippe, il y a un tour derrière. Et elle est en position en plus de Lucky Dog, de toute manière, au cas où. Donc on rappelle, hein, Lucky Dog, ça veut dire que s'il y a une neutralisation de drapeau jaune, ben on regagne un tour, quel que soit le nombre que l'on a, effectivement. Mais si on est le premier retardataire, on a le Lucky Dog. Une voiture dans les pits. Je Alors. sais pas qui c'est. J'ai pas d'infos qui m'arrivent. Alors attends, j'essaie de te trouver Alors, qu'est-ce que ça. j'ai dans les Oh, pits? je l'avais. Jordan, non? Oui, J'ai Jordan Le Jordan. Girac dans les Ouais, c'est pits. Jordan qui est dans les pits et qui repart là. Il n'avait pas de pénalité, donc je sais pas. Est-ce Ouais. qu'il a remis un peu d'essence, ça m'étonne, hein, par avec le nombre de jaunes, C'est mais. étonnant, ce serait étonnant. Bizarre, bizarre. Allez, Terry qui essaie de se faire un petit peu plus menaçant. Ah ouais, à 15 tours de l'arrivée, Terry qui essaie de maintenir une position proche de Jérôme pour essayer d'attaquer. Est-ce que Pierre revient un petit peu sur Damien? Pas trop, hein. Ça n'a pas l'air en termes de chrono. Non. Et il est pourtant plus rapide en moyenne sur les 5 derniers tours que Damien.
Ouf, avec Terry, ça a failli passer. Et non, ah non, toujours troisième. On voit ici l'attaque. C'est Ou une ça. voiture, ah là ça va déclencher un jaune. Une voiture en travers dans le backstretch. Pour l'instant, tout le monde l'évite. Est-ce que ça va continuer, qu'il ne bouge pas? Il tient bien les freins, il ne bouge surtout pas pour que tout le monde passe. Essayez de te trouver rapidement qui Thomas c'est Boivin. Thomas Boivin, ouais. Ouais, je me recale dessus. Il est parti tout seul, je crois. Hein. Eh oui, sortie T2. Hop, allez. C'est parti, il s'est rattrapé, coup de sucette, et c'est reparti dans l'autre sens. Mais en tout cas, il bouge pas, c'est très bien. Il attend que tout le feed passe. Pas simple, hein. Ouais, non, Pas simple, pas simple. tu dois serrer les fesses dans le siège en espérant que personne t'accroche. Il est vraiment super mal positionné, mais par contre, il bouge pas, il tient ses freins, c'est nickel Parfait. pour minimiser les risques. Est-ce qu'il va Mais c'est vrai prendre? que ça fait prier pour que les autres fassent bien attention. Oui. Et ben écoute, 13e drapeau jaune. Hein. 13e drapeau jaune, là, Et on il va va nous repartir rester pour 10 tours. Hein. Il va pas nous ouais, rester moins de 10 tours. grand-chose. Hein. Ouais, moins Non, de 10 il va tours. rester 7-8 tours, je pense. Je pense pas que les pilotes s'arrêtent, on va voir au cas où, mais Oh. je doute. Hein. Bah Damien, je pense qu'il va pas s'arrêter hein, jusqu'à présent. Là, ça serait Non, vraiment la il n'y aura mauvaise plus, il aura stratégie pour 14 lui. ans. Ah bah là, oui. Laurent Non, non, Delahaye personne aussi, s'arrête. toujours, hein, à la 140 tours, il est dans le top 10, il est 10e. Voilà, il va pas rester grand-chose. Bon, bah, a priori, on va dire que Matisse a quasi course gagnée, hein, parce qu'il est plutôt un peu tranquille. Il n'est pas du tout Exactement. attaqué. On a Thomas Jérôme. Boivin qui s'arrête, mais je pense que c'est pour changer les pneus après son gros freinage. Jérôme qui est en deuxième position, qui a fort à faire pour défendre cette deuxième position face à Terry, qui est juste derrière, qui se fait insistant, qui va se faire sûrement de plus en plus insistant. Alors là surtout, hein, on va arriver dans le money time, enfin plus que le money time, on va voir dans le dernier run avant l'arrivée. Ça risque de batailler. Thomas Pierce, belle quatrième place de Thomas en tout cas. Belle course. Solide, est passé au travers un petit peu des incidents, même s'il a eu quelques petites touchettes. Il nous fait une belle course. Je pense que ce serait sympa de l'avoir peut-être en fin de course avec nous. En plus du vainqueur. Merci Marquant79 pour le follow. Merci à toi. Bon ben voilà, on a passé l'heure de course hein, maintenant et il nous reste, allez, encore quoi, 5 minutes si tout va bien. Ouais, je pense à peu près, si tout se passe bien, c'est ça, on devrait être à 5 minutes, sauf si on a des green white checkered avec encore des accrochages. Ça va être le dernier run avant l'arrivée. On n'est pas à l'abri de petits accrochages hein, dans les dernières batailles. Allez, on va rester sur Terry. Toi, tu l'avais un petit peu pronostiqué tout à l'heure. Ouais, bah c'est Il le faut dans le vraiment film, c'est le qu'il. seul à Ouais. avoir gagné, mais Il faut qu'il se défasse de Jérôme déjà. Puis ensuite, il faut aller attaquer Matisse aussi. Ce qui va pas être mince à faire. En sachant qu'ils sont dans le même team. Hein. Bah oui. Allez, c'est Et ça. reparti. Bah par contre Terry là qui a eu un super Okay. départ. Hein. Super départ, ouais. Mais je pense qu'ils ont dû se coordonner avec Matisse aussi, ça aide. Ouais. Ils sont dans le même vocal. Et oui, et Terry qui prend la deuxième place. C'est fait. Et Jérôme qui a fort à faire aussi à défendre cette troisième place face à Thomas. Ouh, qui plonge, qui y va. Ouh là 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 là. Et oui, il a bloqué. Ouais. Il a bloqué. Et du coup, c'est peut-être Damien qui va en profiter. Ou qui va essayer d'en profiter. Allez, plus que 5 tours. Allez, si on pouvait finir sous drapeau vert, ce serait génial. Terry qui a pas l'air très Oui. Terry qui a pas l'air très menaçant hein, sur Ouais, Matisse, sur est-ce que Matisse, il va avoir du mal à revenir. Matisse a quelques bonnes longueurs, 3-4 voitures Ouais. d'avance. Plus que 4 tours. Bon, il me semble qu'il y a eu un tout petit contact en sortie T2, mais rien de méchant et les voitures sont toujours en course, il n'y a pas de souci.
Allez, trois tours pour Matisse pour inscrire une sixième victoire dans ce championnat et une neuvième victoire consécutive. Allez, ça me semble un peu figé ici au niveau des places des cinq premiers. Thomas, voilà, qui va se faire attaquer par Pierre, peut-être Pierre qui a cœur d'essayer de prendre, de faire un top 5. Ouais. Là, c'est le championnat rookie qui se joue. Oh, Pierre qui part en travers. Qui ouais. rattrape à Diello. Oh là là là. Attention, oh, sur le retour. Oh, le retour. Ah, ça touche. Là, ça touche. Et ça va partir et ça en va jaune. Partir ça en va jaune, faire effectivement. Jaune. Et voilà. Là, c'est le retour était un peu trop rapide. Et effectivement, ça, c'est le problème des retours. Et boum, et voilà. Bon. Eh ben écoutez les amis, on va faire plus de tours que prévu. Hein. Ouais, on va avoir quelques petits allez, 14e drapeau jaune. Et on va passer sur le régime de Green White Checker. David, peux-tu nous rappeler ce que c'est que cette bête? Oh ben le Green White Checker, c'est tout simplement lorsque là on est dans un drapeau jaune dans les derniers tours, histoire que la course ne se termine pas sous drapeau jaune, on va rajouter deux tours lancés. C'est-à-dire que les pilotes vont repartir sous drapeau vert. Au tour suivant, ils seront sous drapeau jaune du dernier tour et l'arrivée en deux tours. Mais tant qu'on n'a pas passé le drapeau blanc, il peut y avoir encore un drapeau jaune et un nouveau Green White Checker. Eh oui, tu as bien situé et il peut y en avoir plusieurs. Alors oui, je crois qu'il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il me semble que c'est trois maximum, hein, je crois. Il me semble, hein. Même en rookie, même en il me rookie, semble voilà, que c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que trois relances, donc la troisième. Par contre, on finit vraiment sur régime de drapeau jaune sur le troisième. Je vais aller vérifier vite fait. Oui, c'est ça. Trois Green White Checkers autorisés dans la série. Allez, on récapitule. Mathis Hébert toujours en première position, suivi de Thierry Despois. Ils vont être côte à côte pour la relance. Ça laisse une chance à Thierry supplémentaire peut-être d'aller chercher une victoire. Troisième position pour Jérôme Durand. Ensuite, Thomas Pierce en quatrième position. Damien Clavet avec toujours ses pneus d'origine qui est en cinquième position puisqu'il n'a toujours pas ravitaillé. Donc, bel exploit pour lui. Effectivement aussi d'aller jusqu'au bout. Cinquième position pour Jérôme Poisa. Pourquoi je l'ai en cinquième moi? 6, voilà, ça c'était pareil, tu étais 6ème position pardon pour Jérôme Poisa. 7ème position pour Maxime Mallet. 8ème position pour Pascal Paquet. 9ème position pour Laurent Delight, lui aussi qui n'a pas ravitaillé sur ses pneus. 10e position pour Pierre Martin, voilà, suite à ce petit déboire à la fin qui a perdu pas mal de place. Ouais, et Marjorie Raoli qui s'est délapée grâce au Lucky Dog et qui exactement. Revient dans le tour du leader à la 11e place. Ça va être chaud, les amis, ça va être chaud. On voit Marjorie, effectivement, qui a toujours sa marge, mais qui a deux tours d'avance sur Philippe Devalet. Alors, si ça s'accroche un peu devant, Marjorie peut encore tirer son épingle du jeu. J'allais dire des cheveux, moi. Non, 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 elle peut bénéficier d'un accrochage ou autre, elle peut en profiter. Alors, je te cache pas qu'à l'avant-cours, j'étais un petit peu lui rendre visite, qu'elle me disait bah, moi, je vais essayer de passer en travers les gouttes, il y en a bien qui vont se cracher, je vais gagner des places. Bah, effectivement. Et ça repart. Hein. C'est reparti, allez, hop. Bah, elle a bien raison, c'est comme ça allez, qu'il faut faire. Mathis qui a bien relancé, Thierry qui est bien reparti aussi. Ouh, allez, ça attaque dur en milieu du peloton. Ça va essayer d'aller chercher des points ici. Oulala, c'est un peu kamikaze là. Oui, c'est passé. Oui. Et on va passer passé, sous le drapeau blanc. Bah non, allez. Ça c'est pas passé. C'est passé accident. Est-ce qu'il va y avoir Yellow? Non, il n'y aura pas Yellow, les amis. Ça continue. Oh là 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 là. Oh là là, ça s'emboîte dans tous les sens. Je reviens sur la tête de la course. Mathis qui est en pôle, première position. Thierry qui est derrière. Est-ce que Thierry va tenter ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, il le laisse passer pour la victoire de Thierry Mathis.
C'est pas très Ah, NASCAR, c'est pas ça. très NASCAR, les amis, ça. C'est pas très, très, très NASCAR, je vous l'avoue. C'est pas très Ouh. NASCAR. Aïe, 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 aïe. Alors, moi, je te Alors, je propose crois qu'on qu'il les nous avait dit récupère une tous fois les qu'il lui deux, hein. rendrait la victoire. Je pense qu'elle est là, hein, à mon Ouais. avis. C'est effectivement. Et puis, ça serait sympa de les avoir tous les deux en même temps dans Ouais, on va essayer de dans les avoir tous l'interview. les deux en interview. Allez, on va laisser Terry célébrer ça avec des petits donuts, je Et suppose. poum dans le mur. Voilà, exactement. Eh oui, là, voilà, ça hurle dans le chat contre cette arrivée. Eh oui, forcément, forcément, les amis. Bah écoutez, c'est comme ça. C'est comme Albatros qui ça. réclame le goudron et les plumes. Ça va, ouais, c'est clair, c'est clair. Aïe, aïe, aïe. On va les laisser faire les donuts. Allez, voilà, c'est fait pour les donuts. On peut récapituler peut-être l'ordre d'arrivée. Ouais. Alors, je vais essayer de recaler un petit peu tout ça. Allez, je te laisse faire le standing, Alors le David. standing. Je vais Alors essayer de attends. retrouver moi, Terry. Voilà le standing. Terry Despois donc qui gagne, on va dire, sur la ligne, sur Mathis Herbert à la deuxième place. Damien Clavet troisième qui fait le podium, alors qu'il n'existe pas en NASCAR, on ne devrait même pas parler de podium. Maxime Mallet, quatrième. Pierre Martin qui clôture le top 5. Jérôme Poisa, sixième. Pascal Paquet, septième. Laurent Delaisse, huitième. David Raouli, pas du tout. Marjorie Raouli, neuvième. Ouh, ben Marjorie Raouli, neuvième. Et oui, du coup, avec Eh tous ces crashs, t'as ben, vu. super pour Marjorie qui intègre le top 10 et qui clôture le top 10 d'ailleurs. Jérôme Durand, 11e Thomas Pierce, 12e Philippe Delvalet, 13e Olivier Salfranc, 14e Thomas Boivin, 15e Jordan Le Dirac, Yannick Guérin qui termine 16e, 17e pour Coralie malheureusement, et Loïc Trocmé qui clôture ce field à la 18e place. Et bien du coup, effectivement, Marjorie qui a pris une 9e place. Donc sa stratégie a payé. La stratégie, elle a payé, elle a réussi à passer à travers les gouttes et elle termine dans le top 10. Ouais. Bon, allez, on va essayer d'envoyer un petit message à Thierry et à Mathis s'ils peuvent nous rejoindre. Du coup, tu as bien. Du coup, j'ai pas fait attention avec tout ça. Damien qui bah, du coup fait troisième effectivement hein, en n'ayant pas changé ses pneus donc du coup la stratégie a payé hein. Alors vous reverrez sur les highlights hein, je fais toujours de la pub pour les highlights moi du coup effectivement chez notre ami Eric un petit peu je pense le gros crash de fin voilà moi je me suis focalisé sur l'arrivée avec Terry là-dessus tout simplement alors est-ce qu'ils vont pas tarder. Ils doivent arriver Et bon, normalement. ils vont arriver, on va attendre qu'ils arrivent tranquillement. Et Ah puis, bah ouais, écoute, c'est bien 15 joué. yellow, hein, 15 yellow Ah ouais, là-dessus. ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Bah, tous les 10 tours, hein, 150 tours, on est bien dans notre prédiction hein, qu'on avait, on va dire, donnée, hein, tout simplement. Allez. Alors, est-ce que le vainqueur est en route, en chemin? Bon, c'est compliqué pour venir jusqu'à la cabine de commentateur, hein, je vous cache pas. L'ovale est très grand, hein, ici. Ah ouais, faut monter. Ah, ils ont répondu, ils venaient normalement, Ouais. donc Alors, on ça va rappelle, hein, les pour amis, qu'effectivement, Mathis et Terry font partie du même team hein, aussi. Ce qui explique peut-être cela. Voilà, ça gronde un peu toujours dans le châle ou pas? Oh non, je pense Non. pas. Non, alors. Cyril Nussbaum qui nous dit bien joué Damien pour la win du coup. Ça sent les pénalités. Ouais, effectivement, on verra ça. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de pénalité sur la dernière course, il n'y avait pas eu d'avertissement particulier, je ne l'avais pas signalé. On n'avait pas non plus de pilote en danger en termes de licence, c'est Non, pour non, ça que non. je n'ai pas fait un petit récap là-dessus. Et Perry et Tout Mathis qui simplement. nous ont rejoints. Bravo messieurs, bienvenue dans la cabine des commentateurs. Bonsoir messieurs, merci. Messieurs, bonsoir et bonsoir Terry. Ah, Allô, allô? quel Oui. coup, Cyril. Ah, les Eh ben voilà. Terry, c'est bon, ça y est, ils sont arrivés? Ouais, ils sont là. Salut, bon. Bon, oui. Bon, bah Terry, bravo pour cette belle
belle victoire. Je dis belle victoire, mais elle nous a paru un petit peu tronquée, hein, de vue de l'extérieur et de tous les commentaires dans le chat. Hein. Une victoire d'équipe et le titre pour Mathis, donc bravo à lui aussi. Ah, effectivement, ça fait un beau doublé, effectivement, 3-7 victoires là-dessus. Alors, je me souviens d'une course où je crois que Mathis nous avait signalé qu'il te rendrait la victoire, je ne sais plus sur quel ovale c'était, donc je suppose que c'était un peu ça. Ouais. Les circonstances de cette course, il fallait vraiment la chercher quand même, s'il vous plaît. Donc, c'était chaud, mais je suis quand même content du résultat. Ah, c'est sûr qu'on a, on a vu une jolie course aussi de ta part. Hein. Ça bataillait sec dans le top 3 quasiment tout le long. Course qui était pas mal lâchée. Ça pas été trop dur à gérer, tous ces jaunes, pour vous deux. Exactement. En tout cas, à la voix, ça nous a un peu frustrés. Après, ce qu'on avait parlé de la stratégie, du long relais. Donc, c'était compliqué les restarts. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un dernier yellow là, qui a entraîné ce Green Watch Shaker. Sans ce dernier yellow, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir la win? Parce qu'il me semblait quand même un petit peu loin, malgré tout, de Matisse. Et puis, tu avais quand même Jérôme derrière, donc on pouvait pas s'amuser à traîner en route. Hein. J'allais clairement plus vite que Jérôme. Matisse, non. Il était trop loin à la fin. Mais on avait un rythme assez similaire déjà, ça c'est sûr. Mais Jérôme, j'aurais pu le chercher. D'accord. Bon, en tout cas, bravo pour cette victoire. Donc du coup, tu clôtures la série de Matisse, là. Il s'arrête sur 8 consécutives, du coup. On dirait bien. Ouais, je sais pas, j'ai perdu Thierry. Plus personne ne me répond. Non. Ça a été mon résultat. Donc. Non, mais je vais reprendre la question. C'est l'équipe avant la personne. Et il me devait une victoire. Je lui devais une victoire. Et bon, ça va m'en faire reprocher par les admis, mais bon, ça, c'est la vie. Mais vu le restart qu'on a eu à deux tours, je pouvais pas faire autrement, entre guillemets. Donc voilà, je vais me faire taper sur les doigts. Et puis c'est tout. Quoi. Écoute, on verra ce que diront les admins. Non, mais c'est déjà le cas. Il y a déjà Antoine qui a sorti la règle, qui m'envoie un message privé. Ah, d'accord. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est les joies de l'administration, si j'ose dire. ça changera à rien. De toute façon, le résultat est là, effectivement. Mathis, ça veut dire aussi que, officiellement, tu es le champion rookie pour cette deuxième saison fall. Donc, objectif rempli. Il reste une course. Parce qu'on sait jamais, avec la direction, je peux être disqualifié de la course. Donc. Alors là, nous, on n'est pas dans les petits souliers de l'administration. Ça rien, je n'ai pas les règles. Moi, en F1, ça peut se faire. Je ne savais pas forcément qu'en Asker, c'était interdit. Donc, c'est vrai que si le resta est entériné, je pense que c'est fait. Arnaud n'était pas là. Alors, juste pour info, le classement vient d'être mis en ligne. Et c'est Damien qui gagne la course. Thierry et Mathis sont 10 et 11e. Ah! Donc, a priori, déclassés. Déclassés? Ouais. Ouh. A priori, bon, déclassés tous les deux. Messieurs, votre réaction à chaud là? Voilà, ça ne change rien que je garde le titre. Le geste est là et c'est le principal. Ouais. Après, c'est dommage pour Thierry parce qu'il n'a rien demandé. Ce serait plutôt à moi qui devrait me taper sur les doigts, mais bon. Bon, Moi ça me change rien, il fallait que je fasse P24, on était 18 donc. Oui, c'est vrai que pour le titre rookie ça change pas grand chose effectivement. Là-dessus, effectivement, voilà, j'avais pas l'info David effectivement, donc c'est tombé officiellement. Hein. Ah écoute, en tout cas, c'est le classement qui a été mis en ligne sur le site de l'IFRN. Bon, donc, et c'est Damien donc qui récupère la victoire, hein, c'est bien ça. Et Damien Clavet qui récupère la victoire, ouais. Bon, en tout cas, messieurs, belle course, malgré, je dirais, ce déclassement de part un petit peu l'administration hiérarchique, etc. Bravo à tous les deux. Bravo Mathis pour ce titre rookie aussi. Et puis, sachant que je te rappelle que par rapport au sponsor, tu as déjà une voiture toute peinte pour l'année prochaine, hein, t'oublies pas.
Ouais, moi, ma voiture est déjà prête. Après, je sais pas. Hein, 72 painting au frais de peinture, effectivement. Après, si tu la prends pas, ça c'est autre chose. Hein, vous verrez un petit peu tout ça, effectivement. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'être passés nous voir. On vous laisse. Alors, je vais pas vous dire aller fêter ces victoires, mais du moins officieusement et pas officiellement dans ce cas-là. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve semaine prochaine pour vous. Mathis, Thierry, vous serez présents semaine prochaine? Pardon, j'ai pas entendu. Je ne serai pas là de mon côté. D'accord, donc tu seras pas là là-dessus. Bon, eh ben allez, je vous laisse retourner un petit peu tranquillement dans vos chats vocaux. Merci à vous, messieurs, d'être passés nous voir. Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine, en tout cas. Bonne soirée à tous et merci. Merci, merci. David, je sais pas si on peut avoir Damien, du coup, parce qu'il est... je sais pas Euh, s'il a l'info. alors. Alors attends, j'en sais rien. Ça, c'est une bonne question, un peu de Je rebondissement là. j'essaye de. Ouais. Est-ce qu'il est là? Ouais, tu le récupères, t'essayes? J'essaye, ouais. J'essaye de récupérer Bon, eh ben allez, Damien. moi je vais récapituler et vous venez de l'entendre un petit peu en live, effectivement, petit chamboulement, effectivement, Terry et Matisse ont été déclassés de la première et de la deuxième position au profit de Damien Clavet qui hérite de cette victoire sur cet éval de Thomson. On va voir si Damien est disponible pour venir nous rejoindre ici en cabine. Eh ben, il est tranquillement. avec Il est nous. avec nous. Salut Allô, Damien. excuse-moi. Ouais, on m'entend nickel. Ouais, on Oh ouais, on t'entend bien. t'entend Salut tout. Damien. Eh ben écoute, je sais pas si tu as la nouvelle, mais Alors tu es oui, le je viens. vainqueur. J'ai entendu ça. Il y a Stéphane qui est venu sur notre Discord, enfin sur notre canal pour me dire ça. Eh ben, je suis surpris plutôt. Bah écoute, oui, on va te J'avais pas prévu féliciter. de victoire. Déjà, une troisième place, c'était pas prévu. Ouais. Bah non, bah super content. Bah Ça du fait. coup oui, alors après alors belle course aussi, et sachant Ouais, que oui. tu es absolument pas pité de la course. Et oui, parce qu'en fait, j'avais confiance en mes pneus. Et au moment où je les ai vus piter, j'étais quatrième ou troisième. Et quand je les ai vus piter, en fait, j'ai hésité. Et en fait, j'ai passé le pit. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais jusqu'à la fin. Et je voyais que sur les départs, je me faisais pas manger, à part par Matisse, mais bon, bah ça c'est Matisse quoi. Et donc, quand j'ai vu que sur les départs, je me faisais pas manger, je me suis dit, bah j'ai assez de rythme pour continuer. Et donc, j'avais Pierre Martin, et en fait, Pierre Martin arrivait à revenir sur moi, mais n'avait pas le rythme pour me dépasser. Donc, je me suis dit, bon, je garde jusqu'à la fin, et bah ça paye. Ouais. En tout cas, effectivement, tu hérites de ce déclassement et donc de cette victoire. Mais du coup, ça te fait aussi un superbe coup pour le championnat, ça, hein? Ah bah carrément, bah là je bah normalement je serai là encore sur les. Il reste deux manches, c'est ça? Une Oui, manche, non, oui. il reste manche, il une reste manche. une Michigan. Donc je serai là la semaine prochaine, donc si je Alors, fais pas je peux même te trop. le donner parce qu'a priori ça a été mis à jour, hein? Non, pas encore, peut-être au niveau des Oui, classements. Si, le le. Oui, le classement est classement à jour. Ouais, je Le suis classement troisième. est à jour. Ouais, c'est ça. Alors tiens, moi je ne l'ai pas. Un bon pourquoi? trois places maintenant dans Troisième, le classement. et j'ai 10 points d'avance sur Arnaud Barrios. Ouais. Un peu moins, un peu moins. Alors, je vais aller vérifier tout ça, effectivement. Et tu passes effectivement troisième. Donc, effectivement, très bonne opération pour toi. Ouais, Arnaud, tu as passé Arnaud. Il n'y a que Jérôme qui reste devant toi, mais qui est à 4 points. Donc, un beau challenge pour la dernière course aussi. bah tout à fait, ouais. Dernier circuit, c'est où? Michigan. Michigan. Encore? Alors Je attends, fais je vais confiance non, à David. pardon, Non, Texas, 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 Texas. Texas, effectivement. Excusez-moi. Je sais, je crois que j'ai pas roulé dessus, donc bah c'est, bah, je vais m'entraîner. Ouais. On va s'entraîner. Bah, parle-nous un petit Mais peu de cet ovale de Thomson. Tu avais préparé un petit peu la alors, course particulièrement ou pas du tout? bah pas du tout. En fait, c'est pour l'instant, c'est le seul circuit de la saison que j'avais pas préparé. Parce que je l'apprécie pas plus que ça. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'y vais. On verra ce que ça donnera. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu que j'avais quand même un bon rythme. J'avais le cinquième temps à la fin des essais libres. J'ai fait un bon quali J'ai fait une bonne qualif. Et après, sur la course, j'ai vu l'étrage de Matisse et tout ça. Et donc, j'ai commencé à les suivre. Bah, c'est super bien passé. Donc, ouais, non, je suis super content. Écoute, tu peux parce qu'effectivement, faire allez, 156 tours avec les mêmes pneus, effectivement, en gardant du rythme, bah, chapeau, C'est ça, chapeau, bah hein, bravo. au final, en plus, j'ai regardé mes pneus à la fin, 84% à l'avant, Ah oui, en plus. donc c'est pas beaucoup usé, donc non, non, c'est super
Et bah ouais, c'est nickel, surtout comparé à l'année dernière, enfin à la saison d'avant. La saison Ouais. d'avant, j'ai pris un mur, je finis 30 tours derrière tout le monde, 11e parce qu'on avait splitté, je crois, un truc comme ça. Donc bah, belle revanche sur le circuit, quoi. Eh ben écoute, ma foi. En tout cas, Damien, ben écoute, merci d'être passé. Bravo, on va dire, pour cette victoire qui te tombe sur les bras, Dans les mains, ouais. dans les mains, hein, là-dessus. Mais bon, toute chose est bonne à prendre, hein, de toute manière, tout à fait, ça fait des coups. là-dessus. Et puis, ben écoute, tu es présent semaine prochaine sur Texas? Bah normalement il n'y a pas de problème. Bon, et bah écoute, et puis bah on te souhaite peut-être d'aller chercher une P2 au détriment de Jérôme qui lui finit un petit peu plus loin. Effectivement, je suis en train de chercher où c'est qu'il Bah, Jérôme, est. il a fait l'accident au White Flag. Donc Oui, je l'ai plus. Pourquoi je l'ai plus dans mon classement? Qu'est-ce qui s'est il a fait Attends, il a l'accident fini avec Thomas 8e. Harpice. Il a fait Oui, un. merci David. Peut-être je vais mettre mes lunettes moi. effectivement. Donc oui, tu reprends un petit peu des points là-dessus. Bon, bah, écoute, merci à toi en tout cas. Et puis bah, Bah... bonne fin de semaine et puis bonne course pour la semaine Et prochaine. On bah ouais, suivra bah là ça c'est une avec bonne semaine, grand c'est une bonne intérêt en semaine tout qui cas. finit. Voilà, tu peux aller fêter ça tranquillou. Tu peux déboucher avec modération, comme on dit, bien entendu. Salut Damien, merci à toi. Salut, salut. Bravo Damien, merci. Bon, voilà, David, les dés sont jetés, mais quel finish! Et puis alors, quelle surprise à la fin! Quelle Ouais, surprise à la fin! on en est resté un peu sans voix là sur le coup. Bah oui, on a pris ça nous aussi en live, effectivement. Alors du coup, puisque tout ça a été mis à jour, bah, ce que je vous propose, les amis, c'est d'aller jeter tout de suite un petit coup d'œil. Comme ça, ce sera fait. Puisque ça a été mis à jour, donc bon, Matisse, première position au classement, au championnat, ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de surprise, et donc qui est d'ores et déjà champion de cette série rookie. En deuxième position, qui gagne une place, on a Jérôme Durand de la Toons, Damien Clavier, comme on vient de voir, qui gagne trois places avec cette récupération de la victoire, devant Arnaud Barrios, qui lui ne roule plus forcément, et les gens vont passer et passeront devant. Cinquième position pour Jérôme Poisat. Voilà, donc on a là sur le top 5, hormis Arnaud, ben, des gens et surtout une bataille pour la deuxième position qui va devenir extrêmement intéressante la semaine prochaine, David. Oui, là sur les, on va dire pour cette bataille, il y a tout le top 5, on va dire les quatre pilotes du deuxième à la cinquième place qui sont susceptibles de venir un peu titiller. Le sixième, septième sont peut-être pas si loin, ça Bah, dépendra c'est ce que je vraiment suis en du train de voir, résultat, mais effectivement. On a Pascal Paquet, effectivement, en 6e position. Loïc Trocmé, qui est en 6e position, 7e position, qui perd 2 places, par contre, suite un petit peu à cette course. Alors, sachant que bah, il n'était pas là, hein, aussi, c'est pour ça, tout Non, non, simplement. tout à fait. Puis là, ça fait 23 points de retard pour Pascal Paquet et Loïc Et. Trocmé. 23, il faudrait qu'il y ait un peu plus de pilotes pour la prochaine et dernière course au Texas. À voir. Ça reste possible, mais il est plus vraisemblable que ça se joue entre la deuxième et cinquième place pour le gain de la deuxième. Alors, je dis une bêtise, hein, Loïc était bien présent ce soir, mais il Oui, termine Loïc était loin, là. loin, loin. Ouais. Pierre Martin qui gagne 2 places, qui pointe en 8e position et qui, on le verra, va pointer en tête du championnat rookie, suivi de Maxime Mallet qui lui aussi gagne 2 places. Thierry Despoix qui ben, perd du coup 1 place avec ce déclassement. François Besse, 11e position. Marjorie qui gagne 4 places, qui est au top 12, donc qui se rapproche du top 10. Donc, effectivement, comme tu le disais, on ne sait pas trop le nombre de places disponibles pour ce qui va être monté. Je ne sais pas comment c'est déterminé. Ça, on verra bien la Oh, semaine prochaine. ça dépend pas mal du nombre de pilotes Ignite en Oui, saison ceux qui arrêtent, prochaine. ceux qui arrêtent Ouais. pas, effectivement, de ce côté-là. Et puis, il y a souvent aussi, il peut y avoir promo au bout d'un certain temps, on monte automatiquement, je Tout crois à fait. aussi. Hein, donc, ça peut être Oui, possible. il y a quelques pilotes qui vont être promus automatiquement et puis probablement quelques pilotes en plus avant le démarrage de la saison en fonction du nombre d'inscrits dans les catégories supérieures. Donc 13e position pour Thomas Boivin, ça se maintient, ça n'a pas bougé. 14e position pour Thomas Pierce qui fait une belle remontée suite à cette course, qui gagne 6 places. Coralie malheureusement suite à ses déboires qui perd 1 place et qui pointe en 15e position de ce championnat. 5 places de gagné pour Philippe Devalet, voilà, bah, tant mieux, il n'était pas sûr de prendre le départ, il a quand même pris le départ. Voilà, il a eu quelques petits déboires mais il finit à une belle honorable 12e place et du coup il remonte. 17e position pour Dany Momi qui lui perd 5 places, mais bien sûr, il était absent ce soir. Yann Ingering qui gagne 7 places aussi,
malgré qu'ils finissent 16e, parce que comme il y a des absents, et forcément on gagne des places. Matisse Thévenin, qui n'était pas là ce soir, qui perd 4 places. On clôture le top 20 avec Marco Rousseau, qui n'était pas présent. Voilà, je vais peut-être pas dérouler le reste, puisque je crois pas qu'il y ait des pilotes qui roulaient de mémoire, hormis Olivier Salfranc, qui gagne 2 places, qui était présent ce soir. Et j'ai Jordan aussi. Jordan qui gagne 2 places, malgré qu'il ait fini loin. Donc voilà. Et Laurent Delay, hein, Laurent Delay qui gagne exactement, 6 places à la 25e. Tu as raison, je l'ai oublié, qui ne m'en veuille pas. Voilà, du coup, on passe au classement des rookies. Donc toujours Pierre Martin en tête de la Wildcat Racing, deuxième suivi par Maxime Mallet de la SBG Climistor Motorsport, 5 points. Pierre qui a dû perdre un point, je crois que tout à l'heure il avait 6 points d'avance, me semble-t-il, quand on a fait le oui, il début, me semble, hein, il a dû perdre un point. Si, oui, ça doit être ça. Oui, c'est de ça, toute il façon, a, il Maxime a fini 4e et Pierre a fini 5e, donc c'est normal qu'on retrouve ce point-là, effectivement. Thomas Pierce qui remonte d'une place, qui s'est, alors on va dire, rapproché aussi. Non, c'est pas rapproché, il a perdu des points sur le classement rookie, une bêtise, puisqu'il finit 11e. Hein. Danny Momi qui perd une place qui n'était pas là, Damien Pribeski qui ne bouge pas, Xavier Pi qui n'était pas là, hein. Donc tous les autres n'étaient pas présents, donc ça se voilà, donc le titre rookie qui va se jouer la semaine prochaine entre Pierre Martin et Maxime Mallet. Oui, sauf grosse surprise. Oui, ouais. Sauf grosse surprise, je pense que ça sera ça. Et on termine avec le classement par équipe. La 7 toujours en tête, suivi de la SBG Motorhead, qui est passé devant la Wildcat. Bah la Wildcat, s'il n'y avait que Pierre Martin qui exact. Courait. Donc forcément, ça pénalise d'être tout seul dans l'équipe. Et voilà, et la Wildcat qui passe en troisième position, voilà, qui reste à 10 points. La Toons qui est à 100 points. Voilà, pour les autres, il n'y a pas de changement à noter. Et du coup, on peut peut-être aller faire un petit coup s'il y a des mises à jour. Est-ce qu'il y a quand même des... Oui, puisque je vois qu'il y a un petit peu du rouge dans certains cas. Ouais, il y a des licences pas loin. Ouais, on a Philippe Delay qui reste 6 points sur sa licence, qui peut ouais. être en danger la semaine prochaine, ainsi que Thomas Pierce. Oui. Je pense que le crash là qu'on n'a pas vu, que j'ai pas repassé sur la fin, a dû faire un petit peu du mal. Hein. Jérôme oui, Poisa. Oui, je pense. Je pense aussi. Voilà, donc on a ces 3 pilotes qui sont un petit peu menacés sur leur licence. Il va falloir être vigilant à Texas. Alors. Texas, c'est pas non plus un circuit, je dirais, peut-être propice à ce qu'il y ait trop d'accidents non plus, mais bon, sait-on jamais. Hein. Non, mais ça peut vivre vite quand même. Hein. C'est un circuit qui est très très rapide, qui demande surtout la version Legacy de Texas, hein, qui demande une bonne maîtrise du véhicule. Ça peut être piégeux, il va quand même falloir faire attention hein, pour ceux qui ont des licences. On peut perdre quand même 15 points hein, sur la dernière course, donc au jeu ou au championnat, ça peut faire mal. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, et eh ben écoutez, messieurs, dames, on en termine effectivement avec cette 6e manche sur l'ovale de Thompson avec un gros rebondissement, je dirais, à la fin. Puisqu'on a eu le déclassement de Thierry Despois et Mathis Herbert pour information, et donc Damien Clavet a récupéré la victoire sur cet ovale. Voilà, ça changeait pas grand chose sur le titre rookie, mais du coup ça enlève la victoire à Terry. 15 yellow en tout, donc une course assez assurée quand même dans l'ensemble, David. Oui, alors course hachée, hein, ça fait beaucoup de yellow pour une course comme ça. Après, sur Thompson avec un field de complet sans split, c'est pas forcément très étonnant. On s'y attendait quand même, hein. C'est toujours une course avec un circuit qui est assez difficile, mine de rien. Vous voyez quand même la victoire pour Terry ou pour Matisse. Leur déclassement par la petite manip sur la fin nous a surpris, j'avoue. On nous laisse un peu sans voix. C'est clair. Mais voilà, c'est une décision des admins sur une arrivée effectivement pas très typée NASCAR. A priori, il y a une ligne dans le règlement. J'ai pas réussi à la retrouver, mais il y a une ligne dans le règlement là-dessus, a priori. Ah, c'est écrit dans le règlement, d'accord. Alors, bah de, ça, si, je, si, j'avais pas... si j'ai bien lu, je suis passé vite revoir le règlement, j'ai pas trouvé, mais a Ouais. priori, d'après les messages que je vois passer, oui, dans le règlement, il y a quelque chose qui interdit ça. Donc, voilà, déclassement du premier et du deuxième, et puis tout le monde gagne 2 places dans le tour du leader. Ouais. Alors du coup, je suis en train d'essayer un petit peu en même temps de vous recaler ce qui s'est passé. On le voit ici, ça part un petit peu dans tous les sens. On va
essayer d'être un petit peu plus large, voilà, ça part dans tous les sens. Chose qu'on n'avait pas vue. Ah, je fais de la concurrence au highlight. Ah non, Thomas Purse et puis Jérôme, là, puis après, ben, c'est le carton. C'est le carton, tout le monde s'empile un petit peu derrière, de toute manière. Ouais. D'autant que comme on a, les leaders ont passé la ligne, ben, le drapeau jaune n'est pas sorti. Exactement. Donc les pilotes derrière ne savent pas forcément s'ils font pas plus attention à ce qui se passe devant qu'il y a un accident. Philippe Devalet qui vient percuter. Ouais. Là. Oh, ouais, bah, qui percute de plein fouet. Hein. Là, c'est un gros grosse percussion. Donc forcément, ben, c'est le dernier tour. Les pilotes sont à fond et ben, ça cartonne. Et oui. Donc voilà, et ben écoutez, je l'aurais eu au moins ce gros carton dans l'absolu, hein, tout simplement. Allez, on va reboucler ici. Bon, et ben écoutez les amis, quel finish en tout cas, que de surprises nous a réservé cette course de Thompson. Et ben on va tous vous remercier de votre présence, tous ceux qui sont venus passer faire un petit coucou dans le chat, vous étiez nombreux, ça fait toujours plaisir là-dessus. Je vous rappelle que dès la fin de la retransmission, le replay est disponible directement sur Twitch. Je vous mets ça pour que vous ayez ça aussi sur YouTube pour demain matin, au petit réveil, que vous ayez le temps de digérer tout ça et revoir un petit peu les moments forts. N'hésitez pas aussi à partager les liens, effectivement, pour ceux qui voudraient découvrir la série, qui voudraient aussi s'essayer à cette série. On le rappelle, qui est une série gratuite au niveau de la Ligue IFRN. Là-dessus, David, petit commentaire de fin pour toi. Non, bah, pas particulièrement. Je pense que j'en ai assez dit juste avant. Donc voilà, je te remercie encore pour l'organisation de cette retransmission. Bah, tu fais un sacré boulot là, donc c'est cool de t'accompagner. Et, oui, bah, j'aurais plaisir à te voir pour la dernière. Ça fait toujours plaisir, le boulot est partagé aussi, hein. Tu fais beaucoup de boulot, ouais, ouais. Hein. C'est vrai qu'effectivement, quand moi j'essaie de retrouver dans des trucs, mais il faut toujours un petit temps de chauffe moi aussi, tu vois, j'ai besoin de quelques tours pour que ça rentre un petit peu dans l'ordre et que je m'y retrouve, voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie à tous de votre présence, et puis les prochains rendez-vous, ce sera, alors normalement, mais ça reste à confirmé, on essaiera avec David de vous retransmettre la dernière manche lundi de la série Access. Je cherche JRT, pardon, Access de cette ligue IFRN, tout simplement. Donc normalement, on devrait vous retransmettre ça. C'est quand même la dernière course du championnat. Et puis, le mardi, c'est le truck avec la série Ignite chez notre ami Lucas Jeanvrin. Le mercredi, c'est la Cup, la série Rennes chez notre ami Benjix Motors. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, jeudi, pour cette dernière course. Même si le champion est connu, restez avec nous, il y aura encore des surprises, il y a encore des batailles, on va encore se régaler, tout simplement. Voilà, messieurs, dames, bonne soirée, restez couverts, restez au chaud, restez sur la NASCAR, c'est toujours très sympa. Merci à vous, salut à tous. Allez, salut à tous, merci Hervé, au revoir.